Confédération Galactique, peut-on réellement l'envisager? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. 2 heures et 4 invités pour tenter de comprendre ce sujet qui divise. Comme à l'accoutumée, on est en direct sur Facebook, sur YouTube et Twitch depuis peu, ceux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélanca. Sommes-nous seuls dans l'univers? Si la question reste toujours d'actualité pour la plupart des terriens, certains affirment, et des officiels, des militaires, des anonymes, qu'il existe une multitude de races extraterrestres. Et ce soir, on aura des arguments pour et des arguments contre. Confédération Galactique, peut-on réellement l'envisager? On en parle ce soir avec les affranchis de la rédaction, à commencer par les sieurs Démier et... oh là là, il est magnifique, regardez. Oh là là, Penin, vous êtes beau. Comment ça va? C'est le polo qui se fait. Oui, c'est ça, le polo blanc m'éblouit, donc c'est juste magnifique. Ça va, François? Très bien. Heureux? Heureux, oui. Toi, t'es déjà dans l'espace, hein, t'es oui, déjà là-bas. T'es déjà un peu dans la Confédération Galactique. Je parle par télépathie actuellement. Tu parles par télépathie. Ouais, ils sont là. Tu sais que les gens qui t'écoutent se disent, lui, il est extraterrestre, ça c'est sûr. Hein. Bon, elle est comme à l'accoutumée avec nous, c'est Madame Chopin. Bonsoir Madame Chopin, comment allez-vous? Salut Bob, écoute, en pleine forme pour ce beau sujet. Bon, magnifique, je sais que c'est un sujet que tu aimes beaucoup. Voilà. C'est un sujet qui n'a plus de secret. Oui, et puis donc tu es spécialiste, hein, donc, bien évidemment. Donc tu vas beaucoup écouter ce soir, bien sûr. J'apprendrai plein de choses. Mais parfois, j'apprends même au sein de mes propres chroniques. Elle apprend des choses. Ah bon, j'ai écrit ça, moi, c'est pas possible. Donc voilà. Il est docteur en philosophie, bien sûr, et journaliste à BTLV. C'est Mathias Leboeuf. Salut Mathias. Salut Bob. Ça va bien? Bah ouais, très bien. Bon, alors toi aussi, la Confédération Galactique, on verra. Quand ça démarre, qu'est-ce qui se passe au niveau des politiques, etc. Parce qu'on va balayer tous les sujets ce soir autour de cette Confédération Galactique. On aura dans un instant David Rousseau, qui a écrit « Au-delà de notre monde », que j'avais déjà reçu sur BTLV. Il sera en duplex avec nous. On aura également, dans une deuxième partie de l'émission, Jesse Crenou, que j'avais reçu également, qui lui aussi dit être en contact avec ces êtres venus d'ailleurs. Et puis, on aura Pascal Fechner aussi, de Mabie Planète, qui lui est beaucoup plus mesuré quant à cette Confédération Galactique. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de dire « ça existe ou ça n'existe pas », c'est de savoir quels sont les arguments pour, et si on peut, les arguments contre, et puis surtout de savoir si on peut l'envisager. Il est le grand témoin de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Il est à la direction des repas ufologiques de Paris, c'est Stéphane Royer. Salut Stéphane. Salut Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Évidemment. Il y a une émission qui a cartonné sur BTLV en deux parties sur Jimmy Guilleux qu'on avait réalisé, qui a vraiment beaucoup plu. Et effectivement, ce qui est intéressant avec toi, c'est ton côté mesuré, même si tu es... bien sûr enclin à envisager cette vie extraterrestre, il faut avoir raison gardée, en tout cas c'est comme ça que tu abordes ce sujet. Je rappelle que tu es aussi tu écris dans Génération Cité Dehors, voilà, et que ceux qui veulent se le procurer verront un sujet sur la Russie. C'est ça, alors en fait j'ai démarré donc, une série d'articles dans Génération Cité Dehors qui traite de l'ufologie donc en Russie, Russie et Pays de l'Est. Donc là, sur ce numéro-là, ça démarre par l'histoire de l'ufologie, des ufologues, les premiers ufologues russes. Et effectivement, je parle aussi des phénomènes ufologiques qui ont lieu dans le passé. Voilà, tout simplement. Bah, tu vas bien t'entendre avec François Garigeau, qui aborde souvent l'ufologie en Russie. Bien sûr. François, que vous retrouvez bien sûr sur btlv.fr si vous êtes déjà abonné. Alors, tu es le grand témoin. Tu vas pouvoir réagir à tout ce qui va être dit ici ce soir, bien sûr, sur les chroniques des uns et des autres, sur ce que nos invités vont pouvoir également déclarer. Et puis, tu interviens quand tu veux. On vous a posé la question. C'est un thème qui, je sais, va cartonner ce soir parce que vous êtes heureux qu'on l'aborde. C'est un thème très touchy parce que ça va de Raël, qu'on va aborder avec François Démier, au film qu'on évoquera avec Thierry Penin. Cette Confédération Galactique fait beaucoup parler. Elle met aussi parfois en cause des politiques, on le verra avec Mathias Leboeuf. Donc c'est une nébuleuse que nous allons essayer d'aborder ce soir le plus clairement possible. Le sondage sur Twitter, il a donné ça, la question était simple, Confédération Galactique, y croyez-vous? Alors sur Twitter, c'est oui à 41,5%, non à 34,1%. Puis mon côté un peu belliqueux vous a proposé cette proposition, pure science-fiction, 24,4%, parce qu'on peut... On peut aussi imaginer qu'il y a un côté purement science-fiction dans cette Confédération Galactique. On verra que le cinéma, d'ailleurs, s'en est emparé. On a aussi le sondage sur YouTube. La même question vous était posée sur YouTube. Oui, à 49%, vous y croyez. 32% non
et pure fiction à 19%. D'ailleurs, le sondage va aussi s'afficher sur Facebook. Vous pourrez y participer tout au long de l'émission. Ça nous permettra un peu d'avoir votre ressenti. François, oui. On va déjà saluer ceux qui sont arrivés oui, sur les réseaux sociaux. Ils Blandine est là, Maureen est là. Ils sont tous là, déjà au rendez-vous, très attentifs. Il y a même la Transylvanie qui est présente ce soir. Ah. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, toujours des bonsoirs. Ça, c'est sur YouTube, sur Facebook. Il y a Véronique, Cyril, François, t'es le meilleur. Il nous le place chaque semaine. Moi, je demande à voir. Hein. Je lis ce qu'il y a. Ouais, je rapporte fidèlement les propos de mes amis. Oui. J'ai quand même des doutes sur François, t'es le meilleur. En fait, c'est sur ton Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, il paye des gens, il paye. Non, mais le mec est bon. Puis il y a Alex aussi qui est arrivé et Kramrin sur. Twitch, donc Twitch, nouveau réseau qu'on utilise depuis peu. Inscrivez-vous, suivez-nous sur Twitch, ce sera l'occasion pour vous de suivre très prochainement une émission qui sera réservée à ceux qui sont connectés sur Twitch. En plus, il y a une qualité géniale et on suit les chats également, François, et dessus. François, justement, on va commencer avec toi. J'ai choisi le haut du panier là. Non, parce qu'il y a quand même un personnage, ancien photographe, d'automobile, je crois. Et chanteur aussi. De sport automobile, chanteur. Ouais. Qui, dans les années 70, faisait beaucoup parler, oui. C'est Raël. Monsieur Claude Morillon, qui est devenu Raël. Voilà, et ce personnage, on peut dire que c'est la star, parce que tout le monde, je pense que tous les Français connaissent son nom, mais on ne sait pas vraiment qui il est et qu'est-ce qu'il fait, de quoi vit-il aujourd'hui, comment il est au Québec, je crois, c'est ça? Oui, il est au Canada, tout à fait. Alors, comment il est né Raël? Eh bien, c'est né avec une rencontre, justement, on est en plein thème de l'émission. Alors aujourd'hui, il a beaucoup souffert, là, il ressemble plus à... Si on peut remonter la photo là. Ah, au Père Noël, c'est ça? Donc là, pour le coup. Plus un personnage des guignols, un petit peu. Ouais, bah écoute. Ouais. Bah, il est fatigué là, le. Et alors, vas-y, dis-moi. Et donc, il a rencontré l'un des Elohim. Les Elohim, c'est en hébreu, c'est le terme de Dieu. Oui. Alors, le mouvement aujourd'hui a quand même 85 000 membres. Ils sont répartis sur 104 pays, c'est énorme, avec environ 170 guides. D'accord. Alors donc, je disais, Raël, son vrai nom, c'est Claude Vorillon. Il affirme que les Elohim l'ont déjà amené dans leur soucoupe volante. Donc on est vraiment dans le thème de ce soir. Parce que lui, il a une rencontre avec ses Elohim. Ils lui ont opéré le cerveau et l'ont rendu superbement intelligent. D'accord. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'est quand même ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez marrant parce qu'il a été quand même montré du doigt, stigmatisé, parce que ça a été sectaire comme mouvement. En France, c'est pour ça qu'il est parti au Canada, parce qu'ils sont beaucoup plus permissifs. Mais en même temps, quand tu regardes tout ce qui se dit aujourd'hui sur la Confédération Atlantique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est presque précurseur du mouvement. Il disait ça il y a presque 50 ans. Quoi. C'est énorme. Sa rencontre s'est passée le 13 décembre 1973. Elle s'est passée en Auvergne, au puits de la Solas. Cet extraterrestre, alors, il a donné de nouvelles explications détaillées, parce que selon lui, ce sont les extraterrestres qui nous ont créés. Mm-hmm. Oui, c'est ça. En fait, le but de la chose, c'est que... Mais en même temps, regarde, Anton dit la même chose sur les tablettes sumériennes. Quand on regarde un peu ce qui se passe, on a la sensation qu'il y a une intervention extraterrestre, c'est ça. Alors, la première mission, c'est de créer une ambassade pour les accueillir. Alors, pour l'instant, ils ne se montrent pas parce qu'il faut qu'on soit demandeur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas... Ils pensent, et beaucoup de gens, on en a fait beaucoup d'émissions sur BTLV, ils pensent que si tout d'un coup les extraterrestres débarquaient, on aurait tous peur, quoi. Ce serait un peu la panique. Bah, ça dépend à quoi ils ressemblent. On verra avec David Jacobs tout à l'heure qu'il y a plusieurs races, selon lui, d'extraterrestres, et que certaines ne sont pas terribles. Alors, l'ambassade, tout ça, c'est bien sympathique. Par contre, en 2002, il a annoncé qu'ils avaient créé le premier bébé cloné. D'accord. Donc, ils ont créé... Qui les extraterrestres ou lui? Non, lui. Ah, lui, là, il lui a créé un bébé, lui. Un bébé quoi? Non, il a tenté. Mais il affirme que c'est fait. Donc, personne n'a vérifié. C'est le docteur Boisselier. Surtout, c'est interdit. Hein, ça, oui. Donc, le docteur Boisselier qui est... Alors, c'est pas parti des Raéliens, mais ils sont pas loin, puisque c'est quand même une haute responsable du mouvement. Mmh. Donc, elle aurait créé ce bébé. Et le problème, c'est que ni les parents, ni personne ne sait où l'enfant est vivant. Parce qu'aujourd'hui, s'il est né en 2002, donc il a... 20 ans. Hein. Oui, 20 ans, pratiquement. Donc, affaire à suivre, enfin, personne n'y croit, forcément. D'accord. Non, puis il n'est même pas certain que ce bébé soit vraiment né. Hein. Oui. Voilà. Bon. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que malgré tout, ça fait 50 ans que le mec vit sur la bête, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, et il a des membres, et il a des gens... C'est ça. C'est ça qu'il faut. Alors, il dit qu'il touche aucun argent. Ouais. Tout il est bénévole complètement. Mais ils font quoi? Juste une chose, parce que tu évoquais Anton Parks, il faut quand même dire que les Raéliens, c'est une secte qui a été
pointé comme secte, et il y a eu un certain nombre de procès d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et que, non, mais le point de départ de l'Église d'Élohim, t'as raison, Dieu, etc. Sur le discours. Que ça se, effectivement, ça se... mais derrière il prône l'amour libre, il prône pas mal de choses. Ouais, il y a toujours, vous avez remarqué, il y a toujours une jolie blonde qui est dans le coin, tiens, viens me voir, je vais parler de Confédération Galactique. Sur les enfants, ils ont été un petit peu limites. C'est ça. Par contre, ils sont vraiment contre la pédophilie, ce qui est une bonne chose. Et puis, il y a eu des transferts de fonds assez importants. Oui. Mais c'est pour ça qu'il est parti au Québec, au Canada, parce qu'en fait, j'avais reçu ici quelqu'un qui avait toute sa vie été mis dans une secte. C'est-à-dire que les sectes ont le droit de citer, comme aux États-Unis, il y a beaucoup de sectes qui existent, et en fait, c'est pas du tout la même législation qu'en France. Derrière le discours qu'on peut trouver sympathique sur les extraterrestres, tout, lui, derrière, il y a une organisation, mais comme tout à l'heure, moi, j'évoquerai Ron Hubbard, qui a un peu le même profil. Hein, qui est... Lui, il est un peu plus méchant, lui, quand même. Ça se discute. Les Raéliens, je suis pas sûr qu'une fois que tu es dans la secte, très épanouissant. Il n'y a pas de genre d'Hollywood qui fera partie des Raéliens. Par contre, il y a un documentaire, c'est dommage que là, c'est uniquement en anglais. C'est un Israélien qui a fait un documentaire qui est passé dans pas mal de festivals l'année dernière. Sur les Raéliens. Qui s'appelle le prophète et les extraterrestres. Vous savez que la première fois qu'on a fait les rencontres du mystère expliqué en dehors de Paris, c'est-à-dire à Lyon, on avait les Raéliens qui étaient à l'entrée. Et en fait, c'était interdit de rentrer, donc on leur interdisait de rentrer, bien évidemment. Mais ils étaient là pour distribuer des tags, pour essayer de récupérer des gens. Il y avait 600 personnes qui avaient participé aux rencontres, et donc ils étaient là pour essayer de récupérer des gens. Mais à propos de Ron Hubbard, j'ai reçu ici le président de la Scientologie en France. Et le mec était... un amour. Super sympa. Le mec me dit, mais venez faire un reportage chez moi, il n'y a aucun problème, etc. Venez. Parce qu'en France, ça existe. On a beau stigmatiser la scientologie, il y a une église scientologique à Paris, France. Au demeurant... Il y a plein d'artistes, hein, parce que moi, je les ai connus par des copains artistes qui en font partie. Et Ron Hubbard est un type extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le profil de Ron Hubbard, qui était écrivain au départ, est un profil vraiment étonnant et intéressant. Après, ce qu'ils ont construit et la façon dont c'est géré, c'est encore autre chose. C'est sûr que c'est toujours intéressant de voir. Moi, ce qui me fascine dans tous ces mouvements-là, et notamment sur le côté galactique, etc., c'est en fait comment certains, si tu veux, arrivent à fédérer autour. Parce que ça veut bien dire qu'il y a une résonance quand même chez les gens. Donc, c'est ça qui est fou. Et tu sais, Bob, c'est qu'en fait, s'il a eu du succès, Raël, c'est qu'il a flairé, il a senti le vent tourner. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au début des années 70, quand ses activités de journaliste dans son magazine auto périclitait, il a enfourché le cheval extraterrestre. Il a pompé tout ce qui était dans les bouquins de Jean Sandy. Bien sûr. Il a beaucoup écrit là-dessus à l'époque. Et voilà, il a créé son mouvement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, et ça me donne l'occasion de parler de la série OVNI, parce que dans la série OVNI sur Canal, il parle. En fait, il y a tout un personnage qui ressemble à Raël dans le truc. Oui. Il est beaucoup plus poétique dans la série. Et lorsque j'avais reçu Michel Jonas, il m'en avait parlé justement, parce que dans les années 70, visiblement, il était assez connu dans le milieu. Mais moi, je me souviens que c'était gamin, il était sur tous les plateaux. Le plateau de télé, il arrivait avec son look, etc. C'était assez incroyable. Mais il a dû quitter la France parce qu'il était poursuivi ou pas, on ne sait plus. Je pense que l'herbe était plus verte. Verte ailleurs, d'accord. Plus accueillante. D'accord. Beaucoup de monde, combien là dans le monde 85 000. 85 000. 104 succursales. Alors, moi, je vais dire un truc, je pense qu'ils ne touchent pas d'argent directement, mais non, ces gens-là doivent avoir une petite cotisation. Oui, et puis, en fait, c'est ce qu'il dit. C'est 10% de leur salaire, normalement. À 10% de leur salaire, quand même. Ah, le mec, il a de quoi s'acheter. Pour faire 85 000 C'est comment ça J'aimerais bien les avoir, les 85 000 abonnés, moi, les gars, demain. Et attends, cerise sur le gâteau, il faut savoir que les membres peuvent aussi lui faire un cadeau pour lui offrir des courses automobiles, parce qu'évidemment, c'est un passionné de courses automobiles. Quand tu sais le prix que ça coûte. Mais il n'a pas de salaire. Il dit qu'il vit uniquement de ses droits d'auteur. Bon, alors, par contre, c'est pas fini. Il y a le clonage, mais il y a autre chose que j'ai découvert qui est beaucoup moins connue. Il prône la géniocratie. C'est quoi Qu'est-ce que c'est Eh bien, il utilise. Alors, c'est pas vrai, c'est une démocratie complètement remaniée. Il prône il faut que des gens intelligents. Ah. Il faut prendre des gens qui sont 10% supérieurs à la moyenne. D'accord. D'où le génie, la géniocratie. Voilà, ces gens ont droit de voter. Et il faut être encore beaucoup plus intelligent pour pouvoir être... Ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait... Et les cons, ils votent pas, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas que lui qui dit ça. Il y avait quand même Laurent Alexandre qui avait dit aussi qu'il fallait que les gens soient suffisamment intelligents pour pouvoir voter. C'est quand même les mecs vont loin, quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se base pas sur les diplômes. C'est-à-dire que tous les gens qui ont une certaine intelligence, qui ont prouvé qu'ils ont réussi dans la vie, peuvent... Bien sûr. Il ne suffit pas simplement d'avoir fait telle ou telle école, quoi. Ok. Bon. Et puis là, c'est pas fini. Dis-moi. Le système économique s'appelle... T'as bossé cette semaine, quoi.
Le système économique, ça s'appelle le paradisme. Le paradisme. C'est, je viens de découvrir. Alors, c'est un système qui est basé sur l'utilisation, on parlait de Laurent Alexandre, des nouvelles technologies. La robotique, l'ingénierie, la génétique, la nanotechnologie. Alors, il n'y a plus d'argent. Alors, c'est le communisme sans le côté prolétariat. D'accord. Voilà. Okay. Ce qui est pas mal. Voilà. Parce que si toutes les richesses étaient partagées sans qu'on soit prolétaire, ce serait plutôt pas mal. Mais ça, c'est l'utopie. Et donc on ne sait pas ce qui va faire des gens un peu moins dotés d'intelligence. Ah, mais écoutez, ça devient un peu inquiétant. Rappelez-vous Soleil Vert, comment ils ont terminé. Voilà, c'est ça qui est toujours un peu flippant. Merci François pour ce côté raélien. On va avoir quelqu'un qui dit être en contact avec un frère galactique. Il a écrit un roman passionnant, Au-delà de notre monde. C'est David Rousseau et il est en direct et en duplex avec nous. Bonsoir David. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. Alors, vous avez entendu un petit peu ce que François a dit sur le côté raélien. Et toute cette confédération galactique, vous, ça vous est tombé dessus quand vous étiez enfant. Et depuis, vous êtes en contact, donc visiblement, avec ces frères des étoiles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Raël, c'est-à-dire que tant qu'on ne demande pas, ils ne viendront pas nous voir? Moi, je dirais que ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Ça dépend aussi du comment je pourrais dire des fréquences qu'on a en soi, de son évolution personnelle à la fois émotionnelle, psychologique et spirituelle. Émotionnel, spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est, enfin la France, le mec est franco-français, c'est la France, mesdames, messieurs. Est-ce que vous pensez qu'en fait, ou il pense qu'on n'est pas on parle beaucoup de vibration, on n'est pas suffisamment en haute vibration pour eux, c'est ça? En fait, oui, pour beaucoup, malheureusement, c'est force de constater que beaucoup sont dans la dualité encore, dans les aspects duels des choses, le bien, le mal, le chaud, le froid, le beau, le pas beau, le l'air, enfin voilà. Pour eux, voilà, il faut sortir de cette dualité pour pouvoir, ainsi dire, monter un peu plus en vibration et accéder à des choses qui sont invisibles pour nous à l'heure actuelle. David, vous comprenez, parce que je suis obligé de vous poser la question, que parfois ça peut être pris pour un mouvement sectaire. C'est-à-dire qu'on a vu, hein, là, ces derniers mois, je crois que c'est Jocelyn F. Keller qui m'avait alerté, il y a des gens qui disaient, au nom de la Confédération Galactique, suicidez-vous, hein. Il y a quand même des gens, il y a eu des appels au suicide, etc. Donc c'était un peu effrayant. Et effectivement, on peut imaginer que certains qui sont un peu faibles peuvent se laisser embarquer. Vous comprenez en fait, la méfiance que nous avons sur cette Confédération Galactique? Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que c'est sujet à beaucoup de débats et on entend de tout et de rien par rapport à ça. Donc oui, je suis assez d'accord là-dessus, oui. Alors, Sandrine Chopin avait une question à vous poser. Là, ou n'importe laquelle, mais en tout cas, tu regardes une caméra. Donc voilà. Ouais, bonsoir David. On voit qu'il y a de plus en plus d'ouverture de conscience et donc de taux vibratoire qui ces prochaines décennies, en tout cas ces prochaines années, va s'accélérer, va s'augmenter. Est-ce que ça veut dire que du coup, ça va favoriser, ça peut accélérer les contacts qu'on peut avoir justement avec, des personnes extraterrestres? Oui, bien sûr. Moi, je le constate moi-même depuis quelques années, c'est que ça s'accélère effectivement. De plus en plus de gens prennent conscience de choses et d'autres et je dirais que même de nos jours, c'est quasi impossible de prétendre qu'on est seul dans l'univers. Il y a tellement de choses maintenant qui se passent, de divulgation, de déclassification de dossiers, enfin voilà, tout s'accélère. Mais moi je comprends que tout s'accélère, effectivement, on voit que le monde change, que toutes les choses, que les dogmes tombent, etc. Surtout en plus avec ce que nous vivons actuellement, mais malgré tout, envisager, c'est-à-dire que la question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est comment eux voient notre ufologie? Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, il y a une ufologie. Vous savez, j'ai reçu Seth Shostak du SETI, je crois que c'était la semaine dernière, je ne me souviens plus, on a posté l'émission. Seth Shostak, qui quand même est un astronome émérite, lui dit dans les 5 ans qui viennent, on devrait avoir un signal, en tout cas la découverte de la vie extraterrestre. Donc il y a ceux qui sont à ce niveau-là de la recherche extraterrestre, qui sont très scientifiques, et puis il y a vous qui dites, voilà, je suis en contact avec le frère des étoiles. Est-ce que eux, vos contacts, ont un regard et nous prennent pourquoi des... Alors, on parlait d'intelligence tout à l'heure, des gens qui ne le sont pas encore assez, qui n'ont pas avancé sur cette recherche ufologique. Et comment la voient-ils? Est-ce que vous en avez parlé? En fait, ils ne portent pas vraiment de jugement sur tous ces aspects-là. Et, la seule chose qu'ils m'ont plus ou moins dit une fois, c'est qu'il faut qu'ils continuent un peu à chercher, mais pas qu'à l'extérieur d'eux, aussi à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, c'est ça? Oui.
Alors, cette confédération galactique, vous l'avez découverte par votre celui que vous appelez votre frère des étoiles. Hein. Donc, ils ont un regard aujourd'hui sur la situation dans le monde. On parle d'élévation vibratoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'ils nous regardent avec cette vibration qui est un peu faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus élevés, ils sont beaucoup plus brillants que nous, plus intelligents, plus technologiquement avancés. Mais, à contrario, est-ce qu'il y a aussi des gens dans l'espace qui sont beaucoup plus cons que nous? Oui, bah, il y a un petit peu de tout. En fait, effectivement, les mondes en 3D n'existent pas que sur Terre, ça existe aussi ailleurs. Et il y a des êtres qui sont purement et simplement centrés sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont dans le pouvoir et dans le contrôle des choses. Donc oui, effectivement, ils sont dans la dualité. Et d'autres, par contre, qui sont plus évolués, si on peut dire, dans le sens où ils ont su accéder à des dimensions plus élevées, dues à leur évolution, à leur prise de conscience et à leur connaissance, qui a fait que bah, ils ont pu accéder à tout ça. Thierry Penin voulait vous poser une question. Oui, alors parce qu'on parle d'extraterrestres en général, et puisque le titre de l'émission, c'est la Confédération Galactique, est-ce que, comme l'idée qu'on peut s'en faire, la Confédération Galactique, c'est finalement l'ONU de l'univers? Et à quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? C'est une bonne question, oui. En fait, oui, c'est une sorte de groupement de différentes espèces, hein, si je peux dire, venues des quatre coins de l'univers. Et ils ont pour, entre guillemets, mission de préserver la vie, surtout, parce qu'il existe des conflits partout, hein, comme sur Terre, il y en existe aussi ailleurs. Et donc, leur mission, si je peux dire, oui, c'est de préserver la vie et un certain équilibre. Est-ce que, je sais qu'on vous a emmené, ils vous ont fait découvrir d'autres mondes et ils vous ont emmené sur la face cachée de la Lune, parce que je me souviens qu'on en avait un petit peu parlé, ça m'avait scotché. Rappelez-nous brièvement ce qui s'est passé, parce qu'il y a ceux qui sont abonnés à BTLV, puis là on est en clair, ce serait bien que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils vous ont montré sur cette face cachée de la Lune. Alors oui, bah, pour faire un petit résumé assez succinct, en fait, j'ai participé à des programmes spatiaux secrets de l'âge de 8 ans à l'âge de 28 ans. Mon frère Isaïel, qui vient des Pléiades, une fois m'a emmené dans son vaisseau et m'a emmené sur la Lune, effectivement, sur la face cachée, et pour me montrer quelque chose. Et en fait, ce qui était stupéfiant, si je peux dire, c'est que j'ai découvert qu'il y avait de la vie, parce qu'en fait, il y a une base qui était sous le sol, il y a une énorme trappe qui s'est ouverte sur le sol de la Lune. Et à l'intérieur, il y avait comme une base, et il y avait du monde, beaucoup de monde, à la fois humain et des êtres venus d'ailleurs. Beaucoup de monde. On va avoir une réaction sur les réseaux sociaux, peut-être avec François Démier. Juste pendant qu'on prépare ta cam, on va regarder peut-être avec Stéphane, quel est ton regard sur parce que, Orantem, tu disais quand même, c'est vrai que c'est un sujet particulier, mais... Il y a plein d'informations qui viennent autour de cette confédération galactique. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de confédération galactique, alors surtout aux États-Unis, parce que la parole est libre, parce qu'il y a beaucoup de livres, parce qu'il y a beaucoup de témoins aussi, en tout cas prétendus témoins. Donc, on en parle beaucoup plus, effectivement. En France, on en parle beaucoup moins. Souvent, ça suscite la moquerie, hein, on sait bien. Après, ou le côté sectaire, donc, alors, quand on a évoqué. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est déjà plus marginal et tant mieux. Mais après, effectivement, quand on réfléchit un petit peu à la question, si on envisage une vie ailleurs, à un moment donné, si on veut faire des choses ensemble dans l'univers, si on veut coopérer pour assurer, je ne sais pas, l'exploitation de minerais sur des planètes, le passage de transport dans la galaxie, à un moment donné, pourquoi ne pas coopérer? Effectivement, quand on analyse le terme confédération, c'est ça, c'est pouvoir travailler ensemble sur des projets communs. Mais c'est ce que disait un peu Thierry sur le côté ONU, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ONU de l'univers, c'est-à-dire qu'on est plein de pays et on voit qui, on peut aider ceux qui sont en souffrance, ceux qui peuvent être aidés. Alors aujourd'hui, ils ne nous aident pas beaucoup, hein, dans tous les cas, parce que vu l'état du monde, ce n'est pas terrible. Mais dans tous les cas, une chose est sûre qu'on peut l'envisager comme ça. C'est un peu Star Wars. Hein, oui, voilà, et même Star Trek. Hein. Enfin, on parlera de tout ça. Mais effectivement, c'est vrai que l'idée de confédération galactique, elle existe depuis déjà quelques décennies. On va dire, allez, le début des années 50. Et jusqu'à la fin des années 60. On en verra un peu plus en détail avec Mathias. François, les réseaux, il y a eu des questions. Oui, une question de Gédéon pour David. Que disent les membres de la Confédération au sujet des Atlantes, les premiers habitants de la Terre qui ont disparu? Ah, ben c'est une bonne question.
Les Atlantes, en fait, ils n'ont pas tous disparu. Il y a eu des survivants et certains vivent dans ce qu'on appelle l'intra-terre. Voilà. D'accord, donc ils vivent dans l'intra-terre. Donc on a fait une émission d'ailleurs sur les intra-terriens. J'ai fait une interview absolument surréaliste avec les êtres de l'intra-terre et visiblement il y avait effectivement des Atlantes. Et puis il y a Corinne qui voudrait avoir le livre, parce que le livre de David est en rupture de stock. Rupture de stock, celui-ci, au-delà de notre monde, c'est ça? Bah, écoutez, vous allez le trouver, on mettra le lien, peut-être que vous pourrez le voilà, s'il est en rupture de stock, ça veut dire que ça marche et c'est tant mieux. Cette Confédération Galactique, il y a des méchants parce qu'en fait, on a toujours la sensation que on attend de l'aide, etc. On verra avec David Jacobs tout à l'heure, qui est docteur en histoire, qui est américain. Lui, il dit qu'il y a plein de races. Donc, dans ces races, il y a fatalement des méchants qui veulent peut-être mettre la main mise sur la Terre. Bah, pour reprendre ça d'un point de vue duel, oui, il y a encore ce qu'on appelle des méchants, des gens qui sont des êtres et qui sont dans le contrôle et la soif de pouvoir, oui, absolument. Et certains sont sur Terre, même notamment Anton Parks en a parlé fréquemment, ce qu'on appelle les reptiliens. Les Dracos, voilà, ils sont dans le contrôle et ils sont sur Terre, oui. Est-ce que vous avez été attaqué, vous, parce que vous avez Ezaïel, comme vous le disiez, votre frère galactique, mais est-ce qu'il y a des gens qui jalousent votre relation avec ce frère galactique et peut-être des entités venues d'ailleurs qui ont tenté de vous soit pervertir, soit de vous emmener sur un autre chemin, soit d'atteindre à votre même santé, votre vie? Oui, effectivement, j'ai eu diverses attaques, à la fois humaines et à la fois ce qu'on dit extraterrestre. Oui, j'ai eu des menaces de l'armée, j'ai été attaqué plusieurs fois par des reptiliens Dracos. Oui, il y a forcément des menaces, on gêne quelque part. Autre question, David, et ce sera peut-être ma dernière avant de vous libérer. Est-ce que les dirigeants de ce monde, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Mathias aussi sur les politiques, on a dit que beaucoup, beaucoup de grands dirigeants depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui ont été ou sont en contact avec les êtres de l'espace. Est-ce que vous en avez eu la certitude, en tout cas, est-ce que ça a été dit, est-ce que ça vous a été rapporté? Eh bien, effectivement, oui, j'ai eu pas mal d'informations là-dessus et j'ai pu le constater moi-même quand j'étais dans les programmes spatiaux secrets. Hein. Certains dirigeants sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe, oui. Pas tous, mais certains. Alors, finalement, j'ai une autre question. Ce sera c'était pas la dernière, parce que je viens de rebondir sur les programmes spatiaux secrets. Si je vous entends bien, c'est-à-dire qu'il y a des programmes spatiaux terriens secrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà allé peut-être sur Mars. Plusieurs fois sur la Lune, sur Mars? Plus loin peut-être? Ah oui. Il y a des missions qui sont parties sur Mars, sur la Lune, et puis jusque dans le système d'Aldébaran, d'après ce qu'on m'a dit. Et là, ces extraterrestres ont aidé, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire partir notre petit pétard là, sur la Lune. On voit que SpaceX, ça explose tous les 4 matins. Donc voilà, on sait qu'on va avoir des milliardaires qui vont s'envoler dans du tourisme spatial. Mais moi, je me chire un peu dessus, parce qu'on a la sensation que le pétard, il ne s'allume pas forcément comme il faut. Et vous dites que finalement, ces extraterrestres ont aidé une recherche spatiale secrète qui a permis à ces terriens de partir très très loin? On appelle une collaboration, oui. Bon, ok. Bah écoutez, en tout cas, on va voir si on va tenter de comprendre, hein, tout au long de cette soirée cette Confédération Galactique. Moi, ça me paraît fou quand même, Stéphane, de voir et d'imaginer qu'il y a une collaboration qui est... Encore une fois, on n'a aucun avis. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que des secrets, il y en a partout. On peut imaginer. On l'a dit avec Roswell, on a dit avec plein de choses, etc. C'est un gros dossier, en fait. Mmh. Hein. C'est-à-dire que ça, ce sont des questions qu'on se pose depuis déjà quelques décennies dans les milieux ufologiques. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a eu véritablement des traités qui auraient été signés ou pas? On en parle depuis l'époque d'Eisenhower, dès 1954, donc ce n'est pas récent. Mmh. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le début de l'once d'une preuve. Oui, c'est ça. Le problème, il est là. Mmh. Voilà. Ce qui est étrange, c'est que finalement, ils ont soi-disant une technologie très avancée. Par contre, on n'est toujours pas foutu de repartir sur la Lune, qui est quand même à 400 000 km. Donc, oui, mais alors, c'est là aussi. Parce que c'est compliqué. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Peut-être qu'on a une NASA grand public et une NASA secrète. Pour aller sur la Lune, qui est à 400 000 km, ils auraient pu donner un petit coup de pouce, quand même, nous aider un petit peu. Pour... Bah, ils sont en 69, monsieur. Donc, oui. Voilà. Mais aujourd'hui. Et on dit, regardez ça, vous n'y arrivez plus. Donc voilà. Ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps, le problème, c'est pas
d'y aller. On peut y aller sur la Lune pendant une semaine, 10 jours. C'est que même sur Mars, on en reparle actuellement, c'est impossible pour l'homme d'aller sur Mars actuellement. Ouais. Parce qu'il va mourir tout de suite. Mais non, mais c'est impossible dans, la conquête spatiale, oui. ce que ne dit pas David. David, il dit qu'il y a une conquête spatiale secrète. Oui. Peut-être qu'on a une militairement, possiblement aidé. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'auraient pas donné un petit coup de pouce pour juste qu'on aille sur la Lune régulièrement, que ce serait sympa quand même. Tu vas y faire quoi sur la Lune? Il n'y a rien, c'est des cailloux. Bah, ce ne sera pas des vacances. Si, il y a des minerais à exploiter. Il y a du minerai, voilà. Et il y a de l'énergie, de l'uranium. Oui, mais eux, ils n'ont peut-être aucun intérêt à ce que nous, on explore la Lune davantage. Parce que si on parle d'une confédération galactique, et là, je vais me tourner encore une fois vers David avant qu'il soit parti, est-ce que finalement, nos actions, David, parce que là, forer sur la Lune, aller faire des recherches à droite à gauche, est-ce que ça a une incidence sur le reste de l'univers? Je dirais oui, forcément, parce que comme je dis souvent, tout est lié hein, sur Terre, à la fois sur Terre et dans l'univers. Hein. Donc oui, tout est lié. Il y a des opérations de minage et tout ça, d'extraction de minerais sur la Lune et sur Mars. Oui, j'ai pu le constater moi-même. Oui. Donc à nous de prendre conscience de tout cela peut-être, et déjà faire attention à nous pour pas foutre le bordel ailleurs. Stéphane. Juste à propos d'énergie, j'aurais une question à David Rousseau. Ouais. À son avis, est-ce que tous ceux qui surveillent nos centrales nucléaires, qui est un sujet qui m'intéresse... Tu peux regarder là, regarde. Voilà, là, est-ce là, que, là, effectivement, là. Ces gens-là font partie d'une confédération galactique? Pour certains, en tout cas, oui. Oui, oui. Il y en a qui surveillent ce qui se passe avec l'énergie nucléaire, oui. Une race particulière ou c'est un ensemble, c'est une entente? Comment ça se passe? C'est un ensemble, oui, c'est un groupe. Il y a différentes espèces... de ce que j'ai vu, moi, il y a des Pléiadiens, des Végaliens, Andromédiens aussi. David, est-ce que vous y retournez souvent? Vous allez les voir souvent? Là, pas dernièrement, mais en tout cas, je suis toujours en contact avec Ezaïel, oui. Alors, juste une chose, je vais vous regarder dans le blanc des yeux. Si jamais vous pouvez obtenir une interview de ces frères de l'espace, je suis preneur. Je vais être le premier au monde à faire l'interview d'un frère de l'espace. En tout cas, on vous embrasse, David. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Au-delà de notre monde, c'est un joli roman que vous pouvez, bien sûr, truffer de vérité. David a raison de prendre le côté romanesque pour ne pas être attaqué de toutes parts, comme la plupart de gens qui veulent donner des informations. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a très belles illustrations. C'est un joli bouquin. Merci David d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Si vous arrivez, bienvenue. On est en direct comme tous les mercredis sur Facebook, sur YouTube et Twitch. Partagez, mettez des pouces bleus, dites à votre entourage que BTLV existe, un média unique en son genre. Mais on le rappelle, on n'est pas une chapelle, on vient prier. On est juste un lieu de réflexion et de questionnement. Confédération galactique, peut-on réellement l'envisager? C'est le thème de ce soir. Notre grand témoin, c'est Stéphane Royer des Repas Ufologiques de Paris. On aura dans un instant Jesse Crenio. Et puis avant la fin de cette émission, Pascal Fechner de Maybe Planet. Les réseaux sociaux, François. Oui, une petite rectification. La Lune, c'est 400 000 km. Je n'ai pas dit 80 000. D'accord. C'est 400 000. Donc, il y a Urgul qui dit, alors c'est un peu contre, Raël et d'autres ont autant de succès, c'est parce que le nombre des gens prêts à croire n'importe quoi, à adhérer, à se vouer corps et âme dans des délires communs, ça c'est hallucinant. Il y a un peu d'humour, c'est pas mal. Il y a Fred qui dit, les extraterrestres sont pires que la NASA, ils s'écrasent à chaque fois. Oui. À chaque fois, on ne sait pas. Il y aurait eu quelques crashs. Enfin, beaucoup plus que la NASA, en tout cas. Heureusement pour nous. Aurélien, admettons que cette confédération existe. Pourquoi sont-ils aussi distants avec nous? David l'a dit, parce qu'on n'est pas élevé en termes de vibration. Et peut-être que... Mais en même temps, on fait la même chose avec les fourmis. Hein. Tu vas pas taper le barbecue avec la fourmi, tu vois, elle vient s'imposer de temps en temps, elle vient te voir pour essayer de piquer un bout de viande. Oui, puis on le verra aussi peut-être tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas prêt à remettre en cause toutes nos croyances, donc on n'a pas encore la maturité. Au niveau du Z, moi je vois passer des trucs sur les réseaux, effectivement, normalement ils ne doivent pas intervenir. Ouais, c'est l'ingérence, mais nous on intervient pas dans l'ingérence. Mais en ce moment, vu que ce serait le bordel sur la planète, ils se permettraient de commencer, voilà, alors on parle d'énergie, on parle de, je sais pas quel type d'aide, mais c'est ce que je vois passer sur les réseaux. Normalement, ils font pas de l'ingérence, mais vu que politiquement, socialement, il y a des choses qui sont pas blanc-bleu, ils commenceraient à s'autoriser à intervenir. Comment, pourquoi, je sais pas. En même temps, on parle de non-ingérence.
j'ai ici Contact OVNI au Brésil. C'est une émission que je vais réaliser, j'enregistre demain avec Jean Livrero, sur un bouquin de Thiago Luiz Tichetti. C'est un Brésilien, bien évidemment. L'ingérence est liée, c'est-à-dire que les extraterrestres, quand tu lis le bouquin, il y a des généraux qui parlent, il y a des militaires, il y a des témoins. En fait, en ingérence, le nombre de mecs qui ont été dits abductés, qui disent avoir été enlevés, ouais. Si c'est vrai, c'est une ingérence, c'est-à-dire qu'on vient chez toi et on te prend, etc. Les contacts, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils viennent quand même souvent nous voir, si c'est vrai, encore une fois. Hein. En individuel. Oui, en, là, c'est quand, énorme. Quand ça, c'est la confédération, mondiale, c'est sûr. Quand, si on parle de confédération, c'est vraiment l'organisation des Nations Unies en mode interstellaire, quoi. Parce qu'il y a quand même des gens qui disent que certains auraient passé des accords avec les gouvernements pour qu'une certaine partie de la population soit enlevée, pour être étudiée, etc. Il y a aussi ça. Il y a ça, et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tout est déjà dans la série Star Trek originale dès la fin des années 60. C'est-à-dire que tu as effectivement la Terre unie comme dans le futur, hein, voilà, voilà, exactement. Et en fait, tu as une non-ingérence des espèces extraterrestres sur Terre. Mm-hmm. C'est la directive première qu'on trouve dans la série Star Trek. Et à côté, effectivement, il y a, comme tu l'as souligné, effectivement, des espèces qui nous, voilà, qui nous enlèvent. Un peu rebelles, belliqueuses. Voilà, on va dire. Alors, est-ce qu'elles font partie de la même fédération ou est-ce que c'est à part ? Voilà, là, on peut se poser la question. Ouais. Non, c'est vraiment un très joli sujet ce soir. Autre sujet qui est beaucoup moins joyeux et qui est beaucoup plus sombre, celui abordé par Philippe Liénard dans Sans langue de bois. Émission qui est juste... Stupéfiante, tant les propos tenus par David Varnery font froid dans le dos. Il revient sur l'Afrique des rites et des sorciers. Vous allez voir qu'il y a une certaine catégorie de hauts dirigeants qui s'octroient tous les droits. C'est juste, c'est uniquement sur BTLV. Qui sont ces crimes ? Les criminels, ce sont des personnages qui sont suffisamment puissants pour s'offrir les services coûteux de ces fameux Nganga qui sont des sorciers. Tous les Nganga ne sont pas des gens qui prêtent la main à des œuvres criminelles, loin de là, hein, auxquels on recourt donc des puissants. Et les puissants en Afrique, ce sont deux types de personnages. Ce sont des hommes politiques, des ministres, voire plus, et ce sont aussi des hommes d'affaires. Vous dites dans votre livre que ces phénomènes-là se traduisent aussi par une logique qui est que plus on fait souffrir la victime, oui, meilleur c'est. Plus on fait souffrir la victime, plus profitable ça peut être pour la magie dont on veut s'imprégner. Ça paraît tout simplement hallucinant. Et parce que les esprits que l'on mobilise à cette occasion-là, ce sont des esprits malins, mauvais. Enfin, comment il faut les désigner dans les langues locales, ce sont des esprits qu'on associerait chez nous, à quelque chose d'ordre du diabolique. Émission tout bonnement incroyable. David Varnery, après une enquête, livre des choses dans son bouquin, dans son ouvrage, qui sont stupéfiantes. Encore une fois, c'est en exclusivité sur btlv.fr. François, tu mettras peut-être le lien pour que vous puissiez regarder cette émission. Abonnez-vous, voilà pourquoi BTLV existe. Il se dit ici, ce qui ne se dit pas ailleurs, là où les autres médias s'arrêtent, BTLV commence, j'aime à le rappeler. Sandrine, on va revenir à cette Confédération Galactique. Peut-on réellement l'envisager ? C'est le thème de ce nouveau numéro Les Affranchis de l'Info. Avec les ovnis, avec une question que tu poses, et elle m'a surpris cette question quand tu me l'as envoyée, tu m'as dit tiens c'est ce que je voudrais aborder, ovnis, les Américains et les Anglais en sont-ils lassés ? Absolument, parce qu'on va voir que, je vais rappeler quelques chiffres, mais on va voir qu'il y a eu un grand intérêt, puis parfois un désintérêt, des affaires classées, et puis après on va voir que là en 2020 il y a eu un regain d'intérêt. Alors je voudrais rappeler quand même que seulement 3,5% des pannes, donc les phénomènes aérospatiaux non identifiés, sont considérés comme des vrais phénomènes non identifiés. Il y a un côté un peu pizza quand même chez toi, hein, les pannes, hein, c'est les pannes, la pâte de panne, oui, les pans, les pans, les pannes, je ne sais pas quoi. Il y a un côté, je c'est pas une pizza. Et pourquoi pas, parce qu'on peut tout envisager. Alors, il faut savoir que sur à peu près une centaine de cas signalés, dans 95% des cas, les phénomènes sont
inexplicable à 68%, et que 34% des autres cas sont impossibles à étudier faute de données d'informations plus précises. Alors ça a évidemment alimenté pas mal d'intérêt de par le monde. Juste pour citer, en France, entre 96 et 99, il y a des dizaines de spécialistes qui ont créé un groupe de travail, le COMETA, un comité d'études approfondies, avec à sa tête le général de l'armée de l'air, Denis Letty, qui avait fait un rapport passionnant justement sur des combats aériens entre des pilotes classiques et puis des pans. Alors, voilà, des ovnis. Et donc ça a été atterri sur le bureau de Lionel Jospin, qui avait considéré ça comme étant très intéressant. Et puis voilà, il n'avait pas mené davantage de recherches. Alors, le rapport Cometa, que je vous invite à lire, parce qu'il est quand même à la disposition de tout le monde, dans toutes les bonnes librairies. Et c'est incroyable, parce que c'est généraux, c'est officiel. Alerte déjà sur un sujet qui fait encore la une ce soir de BTL. Un rapport d'ailleurs que beaucoup d'Américains nous ont envié. Exactement. Beaucoup de pays dans le monde. Leslie Kean, que j'avais reçue ici, qui a révélé avec Louise Elizondo l'affaire sur le New York Times de cette officine du Pentagone, était venue m'en parler ici. Elle était scotchée. Elle avait par les tenants, les aboutissants qu'on pouvait trouver dans ce rapport, et le fait que ce soit des officiels qui en parlent, ce qui est très rare aux États-Unis. Oui, c'est ce qui est très rare. Alors, en 2013, le ministère de la Défense britannique a déclassifié, en fait, les dernières archives de son bureau dédié à ces phénomènes, concluant, en fait, qu'il n'y avait pas de danger pour la population, qu'on n'était pas spécialement menacé. Donc là, il y a eu une forme de désintérêt pour ces phénomènes. Les Américains ont également réduit la voilure, et tous les services dédiés ont fermé peu à peu. On se souvient du Blue Book, qui était l'un des plus emblématiques, avec plus de 10 000 cas étudiés, mais pour la plupart quand même expliqués. Il y a la saison sur 2 qui va arriver bientôt sur Warner TV. J'attends ça avec impatience, le Blue Book Project, qui est juste génial. Bon, qui est un peu romancé et fictionné, mais quand même, c'est génial. Donc, voilà. En 2020, il y a de moins en moins de monde, on voit, qui s'intéresse à ça, en tous les cas au cœur de l'armée, pour différentes raisons. D'abord, il y a la modernisation des moyens photographiques et vidéo qui font qu'on voit mieux, donc du coup c'est moins non identifié. Il y a aussi une augmentation des connaissances du phénomène physique, et tout cela fait qu'en fait ça réduit le nombre, et du coup ça les intéresse un peu moins. Mais attention, ils se désintéressent, mais quand même, ils s'y intéressent. Donc on ne sait pas si finalement, ce n'est pas pour brouiller un peu les pistes. Parce qu'en fait, en août 2020, les Américains ont créé la Task Force PAN, donc un bureau d'études pour étudier et mieux comprendre dans tous les cas ce phénomène et garantir la sécurité des aviateurs. Donc on voit qu'il y a une forme de désintérêt, regain d'intérêt. Ils ne sont pas très clairs, parfois à faire classer, mais finalement, peut-être justement, comme le disait David et puis tout à l'heure, et puis François, je crois, il y a peut-être des programmes secrets qui font que, sous couvert de s'en désintéresser, finalement, ils continuent à mener des enquêtes. Donc, la task force, voilà, a fait beaucoup parler. Quand Trump, il a mis ça en place, exactement, ça a fait beaucoup. On s'est dit, ça y est, c'est la guerre des étoiles. On y reprend. Parce qu'il y avait eu quand même les années Bush, où Bush, c'est Bush ou Reagan, François, qui avait mis... Reagan. Avec la guerre des étoiles, etc. Donc déjà, il y a eu ce moment-là, et puis là, ça revient. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, tous les 30 ans, il se repasse un truc, qu'est-ce qu'on ne serait pas... Parce qu'il y a quand même une chose qui est quand même assez dingue, c'est-à-dire que j'avais écrit un papier sur BTLV d'un scientifique qui disait que la guerre des étoiles, telle qu'on la voit dans le film, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, avec nos armes à nous, c'est-à-dire qu'il faut que des lasers, parce qu'en fait, nos balles, nos obus, en fait, ils vont moins vite que tout ce qui se déplace dans l'espace. Donc en fait, il faut des armes différentes pour pouvoir se... Donc en fait, on en revient toujours à, finalement, ces forces de l'espace, est-ce qu'elles ne sont pas là pour aller taper des points stratégiques sur la Terre, tu vois, plus que dans l'espace. Mais ça a fait beaucoup parler. Voilà, donc effectivement, il y a... Il y a le désintérêt, mais l'intérêt. Voilà. Est-ce qu'il est caché? Par rapport à ça, effectivement, Sandrine a souligné justement qu'il y a peut-être des projets secrets. En fait, aux États-Unis, il y a une loi qui est formidable, qui s'appelle la Freedom of Information Act, FOIA, la loi sur la liberté de l'information. Ce qu'elle permet, c'est de pouvoir déclasser des documents. Un simple citoyen peut le demander, et ça permet de fournir justement des documents, on va dire militaires, pas secret défense, ou en tout cas, ils sont bien caviardés. Donc, des fois, on y lit pas grand-chose. C'est dur à lire, hein. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de caviar dessus. Voilà. Donc, effectivement, ça permet d'avoir quand même un certain nombre d'éléments. Bon, c'est pas renversant, mais ça permet de reconstituer un puzzle sur l'historique du phénomène OVNI, ou du suivi des militaires et des services secrets sur le phénomène OVNI. Donc, justement, pour échapper à la loi FOIA, qu'est-ce qu'on fait? On bascule le tout dans le privé. Et là, effectivement, on est tranquille. Et il faut savoir que des entreprises américaines comme Lockheed, Lockheed Skunk Works, qui est effectivement le grand avionneur que l'on connaît, effectivement, eux, on sait qu'ils ont reçu des extraits,
allez, on va dire des bouts qui seraient issus de crash pour analyse. Mmh. Et là, effectivement, c'est intéressant parce que là, ça échappe complètement au privé. Mmh. Et il n'y a pas d'exigence de transparence. Mmh. Ça veut dire que le gouvernement fédéral américain, donc Washington, mmh. Missionne des sociétés privées pour enquêter sur le phénomène. Alors, je ne sais pas si c'est pour enquêter. Est-ce que c'est les sociétés privées qui s'auto-saisissent elles-mêmes ou... Alors, il y a eu un moment d'histoire, j'avoue, je ne sais plus à quel moment ça s'est fait, mais il y a eu effectivement une passation donc, du public vers le privé. Donc, ça a permis effectivement voilà, d'échapper à la transparence. On sait qu'il y a des fonds secrets qui sont votés chaque année mm-hmm. au Sénat. Donc, tout ça sert à masquer un certain nombre de projets. Mais c'est le cas de Robert Bigelow, par exemple, qui travaille beaucoup justement, avec c'est le PDG de Lockheed. Bien sûr. Donc, de Lockheed. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le cas, et c'est connu sur l'armée, l'armement, et avec des tas de sociétés, de milices privées ou de recherches en armement, mais j'avais jamais fait le rapprochement mais avec... Mais ça peut se comprendre presque par l'intérêt financier, c'est-à-dire qu'en fait, l'armée ou le gouvernement se dit, je ne vais pas dépenser de l'argent parce que moi, ça ne va rien me rapporter. En revanche, je confie des matériaux qui auraient été récupérés à des sociétés privées qui pourront profiter, donc faire du profit, ceux qui vont dépenser la recherche et le développement. Oui, tu peux imaginer que des sociétés comme SpaceX, qui fonctionnent aussi avec des fonds publics, mais qui sont des sociétés privées, sous couvert d'envoyer des satellites ou machin, peuvent mener des recherches parallèles qui échappent effectivement... Musk a fait quelques déclarations sur les extraterrestres. Bien sûr. Alors, on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Ils n'annoncent pas toujours dans le public, mais en tout cas, voilà, certains qui se lancent à la conquête de l'espace, c'est peut-être aussi pour essayer de trouver une vie extraterrestre. C'est ça. On peut l'envisager. Dans un instant, on va évoquer la naissance de la Confédération Galactique. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que Madame Chopin, vous le savez, vous donne rendez-vous. Vous avez de la chance, hein, tous les 15 jours, le soir en plus, tranquillement, du côté de 20h. Elle vous donne rendez-vous pour une masterclass privée. Et en plus, on est quand même, attention les yeux, en dehors des horaires réglementaires. Attention, c'est chaud. C'est après 18h. C'est pas Madame est une rebelle, là. Et oui, là, je reçois demain soir Françoise Nallet. Et on va parler donc de libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Vous allez apprendre à déprogrammer les mémoires cellulaires, à les reprogrammer et surtout à comprendre pourquoi en le faisant, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus libre dans sa vie de reprendre le contrôle de sa vie. Voilà. Françoise qui anime tous les mois sur BTLV Café Conscience, qui est une émission qu'on a mis en place il y a 2 mois maintenant et qui est un vrai carton. Donc si vous voulez assister à cette masterclass privée, à cette conférence privée, vous avez, François, je crois, le lien qui va être déposé dans les chats, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch. Le mec travaille, c'est une pieuvre. Donc voilà, donc c'est à voir demain 20h, voilà, avec Françoise Nallet et Sandrine Chopin. Mathias, la naissance de la Confédération Galactique, c'est quand ? Alors, ou du thème de la Confédération Galactique. Alors, comme le disait Stéphane, ça remonte, grosso modo, fin des années 40. On va voir avec qui. Fin des années 40, début des années 50. Et c'est bien sûr porté par toutes les auteurs, enfin les plus grands auteurs de science-fiction. Alors, avant, il faut reprendre ce qu'a dit Thierry, qui a posé une bonne question, qu'est-ce que c'est que la Confédération Galactique et à quoi ça sert ? C'est, en fait, ça s'apparente à une espèce d'entité politique qui va englober plusieurs mondes habitables et habités, différents, et qui sont régis par une puissance tutélaire. Ouais. Et cette puissance tutélaire, c'est justement la Confédération Galactique, qui peut parfois être autoritaire, en tout cas... dans le cadre des romans de science-fiction. Et on parle à ce moment-là non plus de Confédération Galactique, mais d'Empire Galactique qui vient verrouiller politiquement l'ensemble de la galaxie. Alors, bien évidemment, c'est un thème qui a été repris, qui est un thème majeur de la science-fiction. Et la référence la plus évidente, c'est celle des années 70, c'est Star Wars, puisque Star Wars fait ouvertement... référence à ce thème. On a dans Star Wars la Fédération Galactique des Alliances Libres, qui est également connue sous le nom de la République Fédérale Galactique, appelée aussi plus souvent l'Alliance Galactique, qui est le gouvernement galactique, en fait, qui succède à la Nouvelle République et qui fédère l'ensemble des mondes libres, les différentes planètes et les différentes espèces galactiques qui appartiennent au monde créé par George Lucas. Dans Star Wars, on a également une autre fédération galactique qui est la Fédération du Commerce, très importante, qui deviendra ensuite la Confédération des Systèmes Indépendants. C'est un peu le,
le CNI de l'espace, qui regroupe en fait les planètes qui veulent s'affranchir de la République galactique et des nombreuses organisations qui sont gérées par la République. Ces organisations de la Confédération des systèmes indépendants, c'est lié au commerce et à la finance. Et dans Star Wars, c'est suffisamment important pour qu'elles reçoivent un siège au Sénat galactique. Donc on voit que ce thème, qui est porté donc dans Star Wars par George Lucas, est un thème aussi assez politique. C'est un thème, on parlera des politiques tout à l'heure, mais qui a trait à l'organisation, au commerce et à la finance. C'est un peu le reflet de l'organisation de nos sociétés. C'est ça, c'est une projection de nos sociétés. Alors, Star Wars, on est fin 70, début 80, comme le disait Stéphane, c'est un thème qui pourtant remonte à la fin des années 40, début des années 50, et qui va trouver vraiment sa naissance, en tout cas en littérature, et en littérature de science-fiction, avec un auteur qui est un auteur fondamental, c'est Isaac Asimov. Ah, tu l'aimes bien. Ah, bah non, mais. Ah, là, tu l'aimes bien. Il y a déjà, un côté un peu plein de dessins, quand même, au niveau des replaquettes, là, quand même. J'aime bien, ça tronche. Ça, je dis rien, donc. Isaac Asimov, ça va être la première œuvre à présenter une structure politique à l'échelle de la galaxie avec un cycle. Alors, il y a plusieurs cycles, hein, il a énormément écrit, Asimov. Il a écrit notamment le cycle des robots. Mais le cycle qui va parler de cette organisation politique, la Confédération Galactique, c'est le cycle qui s'appelle Fondation, qui est inauguré en 42. Donc, on est quand même avant les années 50. Et dans ce cycle, Asimov va imaginer l'avenir de l'humanité. C'est un cycle qui commence avec l'effondrement, justement, d'un empire, empire galactique qui se décompose. Alors, il y a fondation et empire, il y a refondation. Le récit prend place au cours du 13e millénaire de l'ère impériale. Des millions de systèmes et des milliards d'individus vivent au sein d'un empire galactique dont la capitale s'appelle la planète Trentor, ça dépend si on... Si c'est moi qui en parle ou pas. C'est ça. Et l'œuvre va courir sur plusieurs siècles d'évolution politique. Et là, pareil, c'est un miroir et une projection de ce que sont nos propres sociétés. Mmh. Moi, j'invite vraiment à lire Asimov, parce que c'est vraiment... en plus, il y a toute une science, la psychohistoire. Il y a plein de ramifications politiques et scientifiques qui sont extrêmement intéressantes. Asimov, c'est celui qui va thématiser le plus clairement ce thème de la Confédération Galactique et lui donner quelque part ces lettres de noblesse qui vont faire qu'elles vont être reprises ensuite. Tu m'arrêtes, hein, Stéphane, si, non, si tu... Et puis, il y a un autre auteur, et alors ça, je l'ai découvert en bossant cette chronique, qui a également accrédité l'idée d'une fédération galactique. Figure-toi que c'est Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, qui était un écrivain de science-fiction avant de fonder justement la Scientologie, même si juste ce thème de la Confédération Galactique a toujours une résonance avec la secte, enfin, ou avec l'Église, mais on va dire secte ici. Beaucoup de sectes dans certains pays. Enfin, dans certains pays, c'est beaucoup une secte. Aux États-Unis, aux États-Unis, c'est une Église. Oui. Pourquoi ? Parce que pour Ron Hubbard, il y aurait une fédération galactique qui serait dirigée par un certain Xenu, X-E-N-U, Xenu qui serait le dictateur d'une fédération qui aurait existé il y a 75 millions d'années et qui aurait apporté, avec l'aide de psychiatres extraterrestres, parce qu'il y a des psychiatres extraterrestres. Moi, je croyais que François, depuis que François était né, je pensais qu'il était au chômage, moi. Donc, voilà. Donc, ces psychiatres extraterrestres auraient apporté 13 500 milliards d'extraterrestres sur Terre dans des vaisseaux spatiaux ressemblant à des Douglas DC-8 et les auraient jetés dans des volcans pour les faire exploser avec des bombes hydrogènes. C'est en tout cas ce que décrit Ron Hubbard et qui accrédite une thèse qui est celle qu'il existerait plus ou moins secrètement, encore une fois, cette confédération. Thèse qui est toujours apparemment, alors je ne suis pas un spécialiste de la scientologie, mais validé par les scientologues et qui serait révélé
aux adeptes de la secte à partir du moment où ils atteignent un certain grade. Niveau, un certain grade, on leur révélerait cette vérité délivrée par Ron Hubbard. Non, c'est... Moi, je suis toujours un peu scotché parce que, en fait, finalement, entre le fait qu'on cherche la vie extraterrestre et puis cette confédération. C'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation que nous, on est des pauvres novices, on ne sait pas ce qui se passe, mais autour, dans l'univers, tout est déjà régi. avec des mystères, avec des vaisseaux, avec des guerres, etc. Et nous, on est là, pauvres terriens, à se dire, tiens, j'ai vu un ovni, c'est bizarre quand même. Donc voilà, ça paraît complètement dingue. Ouais. Mais c'est peut-être cette... On verra avec David Jacobs tout à l'heure, on va avoir un extrait dans quelques instants. Lui, qui est docteur en histoire, qui a allongé plein de gens sur son divan pour essayer en hypnose d'en savoir plus, il te parle des différentes races, etc. Il dit qu'ils sont déjà là, qu'ils sont parmi nous. Enfin, ça paraît complètement fou. Et en même temps, on ne peut pas dire que le mec est complètement fou. Tu vois, le mec qui l'a travaillé, on n'a aucune vérité. C'est-à-dire que peut-être que le truc le plus absurde, le plus dingue qui soit, est peut-être vrai. Moi, quand quand on aura Jesse tout à l'heure, je dis pas ces gens sont fous. Je me dis, c'est leur vérité, ils vivent quelque chose d'extraordinaire, alors que ce soit le cerveau qu'ils fabriquent, ou en tout cas une réalité, je ne peux que les écouter, tu vois, c'est ça. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que en science-fiction, donc là, on est, comme tu le disais, avec David Rousseau, on est dans le domaine du roman. Alors, ouais. est-ce que le domaine du roman est justement utilisé... Alors, il prend son vécu, hein, pour faire le roman. Oui, hein. C'est ça, mais... ce qui est passionnant, c'est que des gens... Asimov était un type incroyable, mais là on parle d'Asimov, mais on pourrait parler d'autres auteurs. Hein, tous ces gens-là ont en tout cas investi le thème, ils l'ont élaboré, ils l'ont travaillé, ils l'ont fondé, et ils s'en sont servis comme un miroir, oui, en tout cas. Le pire, c'est que ça a fonctionné. Ça a eu une résonance, c'est l'humain, c'est ça qui est fou. Et encore, on a Stephen Greer, quand même, qu'on a beaucoup évoqué il y a 7-8 ans, qui faisait beaucoup parler, avec le Disclosure Project, etc. Donc, lui, quand même, aussi, est allé à la limite de la secte, en emmenant des gens dans le désert, on va implorer c'est toujours ce petit... En fait, il y a une histoire au départ qui est super intéressante, dire, putain, mais on n'est peut-être pas seul dans l'univers, il y a peut-être des choses, ils sont peut-être plus avancés, puis tout d'un coup, il y a toujours... Et c'est le problème de l'OVNI et de l'extraterrestre aux États-Unis, c'est qu'en fait, c'est un business. C'est ça. Donc, tout de suite, ils en font un business. Et c'est pour ça que le cas de Ron Hubbard est intéressant, bien parce sûr. Qu'il est à la croisée à la fois de la science-fiction, donc de la littérature, et même du politique, parce que ça a fait beaucoup parler. François, les réseaux sociaux, s'il te plaît. Avec Véronique, vraiment, j'ai du mal à imaginer que des aliens puissent être fédérés, et en plus, nous surveilleraient. Bonjour, la halte garderie. Poli, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui demandent les preuves. Ils veulent absolument des preuves de ce que dit ce Alors, je veux dire, si on a une preuve, je ferme BTLV. C'est-à-dire que voilà, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit ici qu'on n'a pas de vérité. On a juste des chemins d'interrogation, de questionnement. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est intéressant, la question de la preuve. Je rebondis là-dessus parce que la semaine dernière, on était sur la même thèse de la preuve, la question de la preuve. Et il se trouve que, on en parlait en antenne, moi, je suis tombé sur une phrase d'Euclide qui dit « Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. » Et c'est intéressant de toujours demander, je ne me souviens plus comment ça s'appelle l'internaute, Véronique a raison de demander une preuve, parce que si on peut affirmer quelque chose sans preuve, on peut aussi le nier justement sans preuve. Donc la preuve, c'est ce qui vient valider quand même la thèse. Oui, mais c'est cette ambiguïté aussi qui fait que tu peux... C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Exactement. Tu vois, donc en fait, on se tire les balles dans les deux pieds. Mais ce qu'on pourrait nous reprocher justement, c'est d'un côté, on donne la parole à des personnes comme David ou comme Jesse, mais d'un autre côté, on a démonté des choses qui n'étaient pas forcément vraies, comme les momies. Mais voilà, non, voilà. Mais après, il y a quand même un oui, mais le problème, c'est que les momies, on a reçu des scientifiques pour travailler dessus. Donc à un moment donné, quand on. Là, et sur BTLV, si demain. On peut prouver que tout cela est bullshit, on le dira. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on l'aborde? Parce qu'on n'a pas de preuves, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens. C'est pour ça que je disais, il y a des arguments pour et des arguments contre. Après, quand on te dit qu'une momie, elle est extraterrestre, et qu'on prouve que c'est une tête de chat qui a été retournée à l'envers, que c'est une vraie momie, mais que ça n'a rien d'extraterrestre, notre devoir de journaliste, c'est de le dire. Vous savez, sur BTLV, enfin, je le dis à ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même, sur BTLV, tous les articles que nous écrivons quotidiennement sont des articles vérifiés, sourcés. Là, on n'est pas dans la théorie.
toutes les émissions que nous faisons, il y a toujours un point d'interrogation. Regardez, peut-on réellement l'envisager? On ne dit pas la Confédération Galactique, c'est la vérité. On est dans le questionnement. Mais rebondis aussi sur cette notion de preuve, parce qu'en ufologie, évidemment, ce qu'on va chercher, c'est une preuve. Bien sûr. Voilà, on va chercher une preuve d'une trace d'atterrissage, une preuve d'observation visuelle avec des radars, des choses comme ça. Parce que les témoignages, c'est une chose, on l'écoute, effectivement, mais ce n'est pas une preuve en soi, le témoignage. Mais regarde, les F-18 américains, l'Amérique reconnaît la réalité du phénomène. Il y a une preuve, il y a des trucs qui sont faits. Après, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Donc après, il y a ceux qui spéculent sur la Confédération Galactique, voilà. Sur les extraterrestres. C'est peut-être ça, pas ça du tout, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, il y a un début de preuve quand même de quelque chose qui va dans le ciel, qui bouge et qu'on ne maîtrise pas. Quand tu crois à un sujet, que le sujet ufologique, par exemple, forcément, tu cherches la preuve, parce que la preuve, c'est ce qui va embellir le sujet, quoi, d'une certaine façon. Mais en plus, c'est un dossier pernicieux, c'est que des fois, tu as une preuve, et le lendemain, elle est complètement... C'est tout l'histoire des sciences. Regarde la photo du petit Réchin, par exemple. Mais bien sûr. Enfin, longtemps, on a cru que c'était une preuve. C'est une vraie photo, mais d'un objet qui a été pratiqué. C'est ça, il y en a des tas comme ça dans l'histoire ufologique. Mais même dans l'histoire des sciences, il y a même la radioactivité, enfin, on n'y croyait pas, après ça se voit. Donc, il y a toute une histoire, même dans la science, qu'on croit dure comme fer. Il y a les hypothèses et des années de travail pour que quelqu'un dise « Regardez, mon hypothèse est vérifiée, vérifiable, et aujourd'hui, on s'en sert. » C'est ça. Et c'est vrai qu'à part avoir vu un ovni ou avoir fait des vraies rencontres, comme certains nous le racontent ici dans les témoignages le lundi soir, c'est difficile, comme le demande cette auditrice, qu'on donne une preuve. Ouais. Je crois que c'est tellement extraordinaire que si on donne une preuve ce soir, la personne dira ouais mais non. Tu l'as pas vécu toi, tu peux dire ouais mais non. Parce que s'il y a tant de rencontres, s'il y a tant de contacts, s'il y a tant d'accord avec toi. Ah, laisse-moi finir avant de pas être d'accord, laisse-moi finir. Je suis d'accord quand même. Si c'est ce que tu vas dire. Je suis d'accord aussi hein, Mathias. On est tous d'accord Mathias. S'il y a tant d'abductés, comment se fait-il qu'on n'ait pas de preuves? Moi je veux bien croire. Ah oui. Bah oui. Alors Mathias, je vais te répondre. Par rapport à ça, au niveau des abductions, on sait que pour ceux qui sont suivis, on peut trouver des traces corporelles. Alors c'est pas une preuve en soi, mais à un moment donné, quand tu vois plusieurs personnes qui ont des traces relativement similaires, à un moment donné, ça forme ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ouais, mais tu vois, et on sait qu'au niveau juridique, un faisceau d'indices peut suffire à condamner quelqu'un. D'accord, mais tu vois, sur les implants par exemple, ouais. Et ben, les implants... un exemple. Oui, mais on les retrouve pas. Alors les mecs t'expliquent, oui, les implants, ils se dissolvent avec le temps. Ouais, mais alors peut-être une preuve, faudrait que ça... Voilà, c'est un vrai problème des implants, c'est qu'effectivement, c'est un début de preuve, mais en même temps, la preuve, elle se retourne contre elle-même. Ben, voilà. Et ça, tu as ça dans tout le dossier ufologique. Et c'est ça qui est un vrai problème. Ouais, il faut connaître cette culture-là, il faut l'avoir pratiquée pendant longtemps, pour s'apercevoir qu'il y a des choses qui existent, qui peuvent prouver alors aux gens qui sont déjà convaincus plus ou moins, mais qui finalement va se retourner contre elle-même et va aussi convaincre les gens qui n'y croient pas. La seule réalité, c'est ça le problème. C'est celle du phénomène. Le phénomène, il a une réalité. Après, qu'est-ce qu'on y met derrière? Ça va de l'abduction à la Confédération Galactique, au mec qui a vu un ovni, enfin, c'est tellement large. Que le phénomène ovni existe, moi je suis entièrement d'accord. Après, ce qui est intéressant, comme je le dis lundi soir dans la libre antenne, rien ici n'a valeur de vérité, juste pour ceux et pour celles qui ont vécu quelque chose. Et tu peux faire ce que tu veux, toi-même, tu as vécu quelque chose en Afrique de bouleversant et d'extraordinaire. Donc, tous les gens qui disent « Ouais, ok, c'est bidon, il n'y a pas de preuves », ils ont tous vécu dans leur vie quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est pas magnifique, forcément. Oui, ou de c'est paranormal. De paranormal, de trucs. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. C'est pour ça que je ne peux pas condamner le mec qui me dit « Moi, je suis en Confédération Galactique ». C'est pas pire que le mec qui dit « Je vois des fantômes » ou que le mec qui dit « J'ai vu ma grand-mère le soir de sa mort venir sur mon lit. Regarde, salut mon grand, je m'en vais. » Non, mais si tu veux... Oui, mais des fois, tu déconnes. Moi, je condamne personne. Hein. Je suis comme toi, j'écoute et tout. Mais ce qui est décevant, c'est qu'à la limite, le mec, t'as envie de le croire, mais t'as envie de lui dire « Prouve-moi que c'est pas du délire. » Comme toi, avec ton expérience. Tu vois, en fait, le problème, c'est que chacun qui vit son... Moi, quand j'ai fait mon voyage astral, j'avais 22 ans, mais ce n'est que ma preuve à moi. Je ne l'impose pas. J'ai vécu un truc. Moi, je sais au fond de moi que j'ai vécu quelque chose. Mais qui vient s'ajouter à tous ceux qui ont fait le même récit. Je sais que j'ai vécu quelque chose de barge complet.
mais ce n'est que ma folie à moi. Peut-être que je l'ai inventé. C'est ton vécu. Hein. C'est mon vécu, tu vois. Il est tellement subjectif. Hein, tu vois, il faut peut-être pas attendre que TF1 ou France Info le disent pour que ce soit vrai. Mais je vais te dire une chose, aujourd'hui, BFM, ce n'est pas une preuve non plus. On a l'impression qu'il faudra un coup de tampon de... Mais oui, c'est ça. D'un grand média ou d'un grand président. Mais non, qui c'est pas parce qu'il n'y a pas, pas eu un coup de tampon que ça n'existe. Moi, je ne sais pas si ça existe ou pas. C'est même dans les débats télé, tu as plein de gens qui ne croiront pas, même s'il y a des témoignages. Il y en a eu plein, à l'époque, dans les années 80, des débats télé. C'est ce que dit Stéphane, c'est que la preuve, c'est ce qui permet de sortir du croire ou pas croire. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la preuve, c'est ce qui établit un savoir. Et si on avait ce savoir-là, c'est là que ça commencerait à devenir magnifique. Oui, mais il l'a dit, en science, il y a eu plein de théories qui au départ n'étaient pas prouvées et qui ont fonctionné, qui étaient prouvées pour le chercheur, qui était persuadé. Le fait que la Terre soit ronde. Mais voilà. Oui, mais sauf que Galilée a prouvé que la Terre est ronde. Mais peut-être la preuve, on l'aura dans 30 ans, 50 ans. Que la Terre est ronde. En fait, elle est carrée. Bon, alors on va continuer à avancer parce qu'il se passe beaucoup de choses, vous le savez ou peut-être pas, mais je vous le signale. Si vous le savez pas, vous êtes fous. Oh là, ils sont fous. C'est le mois des rencontres du mystère et de l'expliquer dans 10 jours. Vous imaginez, ici, ça va être extraordinaire. Des conférenciers, une table ronde, 3 films de diffusés. Et regardez parmi les conférenciers quelqu'un qu'on aime beaucoup. Salut, c'est Patrice, des bâtisseurs de l'Ancien Monde. Je vous donne rendez-vous aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué le 20 mars. On va parler anciens bâtisseurs, grottes de Barabar et des tas d'autres choses. Ça va être super. J'espère que vous serez là nombreux. À très bientôt. Salut. Voilà, les rencontres du mystère et de l'expliquer. Vous pouvez bien sûr réserver. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors vous allez voir, vous allez recevoir ceux qui sont déjà, parce qu'il y a beaucoup de questions, comment ça va se passer. Ceux qui ont déjà réservé leur place, vous allez recevoir à partir de lundi un mail chaque jour qui va vous expliquer à peu près comment ça va se passer. Donc ouvrez-les. Vous recevrez également un code, un endroit pour vous connecter et de toute façon on aura une hotline pendant toute la journée si jamais vous n'y arrivez pas, mais ça va être extraordinaire. Ces rencontres, la Covid nous oblige de les faire en ligne, en direct, mais on est très heureux de vous les proposer. Thierry, on va parler, on a parlé de science-fiction, on a parlé quand même du cinéma, on va parler des films sur cette Confédération Galactique. Je suis allé un petit peu plus loin que la Confédération Galactique, parce qu'effectivement, on a déjà parlé un petit peu de Star Wars, de Star Trek, Star Wars avec cette République Galactique, et je me suis intéressé au film où il y avait cette, on va dire, cette intelligence extraterrestre, et j'en reparlerai en fin d'émission de ces EHE, des êtres hautement évolués. Et il y a donc un très très beau film et un vieux film aussi de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêtera, qui est une intelligence artificielle qui vient justement sur la planète un petit peu comme la Confédération Galactique le ferait pour dire, pour jouer un petit peu à la maîtresse d'école. Attention les enfants, vous êtes en train un petit peu de déconner. Ça me rappelle mon enfance, hein, ça. Je peux dire alors, que la version noir et blanc là. Voilà. Ouais. C'est le film du dimanche soir, alors, on y avait droit. Hein. Alors historiquement, le film sort en pleine guerre froide. L'arme nucléaire peut être utilisée. C'est un petit peu aussi de la part du réalisateur, ben voilà, de dire c'est une sorte de leçon. Et le film raconte l'histoire d'une soucoupe volante qui se pose à New York en plein Central Park. Et effectivement, des personnages extraterrestres viennent rencontrer le président. Ça ne va pas se faire. Ils vont se faire même attaquer par les militaires qui protègent bien sûr le président. Un des personnages va devoir prendre forme humaine pour aller finalement faire ce qu'ils ont à faire, donner un message à un certain nombre de personnes, un certain groupe de personnes, des scientifiques, enfin des gens qui peuvent comprendre ce message, qui est tout simplement, et qui pourront divulguer et s'en servir, qui est simplement un message de paix, finalement, de sagesse. Je pense que tu peux peut-être en dire plus, Stéphane, parce que c'est un film que je n'ai pas encore vu. Par contre, j'ai vu celui dont je vous reparlerai juste après, la version de 2008 de Scott Derrickson avec Keanu Reeves. C'est le même film, mais moderne. Mais moi, je préfère la version originale parce qu'elle est beaucoup plus déjà contextuelle. Et puis, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. Voilà. Mm-hmm. La version remaniée, alors bon, évidemment, il y a les effets spéciaux. Il y a Keanu Reeves, qui est un superbe acteur, mais
quelque part, je préfère vraiment la version originale. Il y a un truc qui est vachement bien dans ce film, parce que je l'ai vu il y a longtemps avec Keanu Reeves, mais qui... on parlait avec David Russo tout à l'heure de l'état vibratoire. Il y a quand même quelque chose que les extraterrestres, visiblement, nous envient. Et c'est ce qui nous sauve dans ce film, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'émotion que l'on a. Et alors, ce que j'adore, c'est que tout le monde nous dit on a besoin d'être élevé vibratoirement, mais finalement, on a quelque chose, on aurait quelque chose que eux n'ont pas. Tu vois, donc c'est toute l'ambiguïté aussi. Donc, c'est dans le film, effectivement, d'Erickson avec Keanu Reeves, c'est la même histoire. Hein. Keanu Reeves joue cet extraterrestre qui vient dire attendez, la planète, elle doit vivre, c'est trop beau, il y a des animaux, il y a une diversité qu'ils n'ont pas eu, quoi. Incroyable. Ouais. Et cette vie, elle est très importante au sein même de l'univers. Donc nous, on est là pour la sauvegarder. Soit vous arrêtez de déconner, soit ça sera sans vous, quoi. Effectivement, l'amour. Ils se rendent compte que peut-être il y a quelque chose d'assez fort aussi chez l'être humain qui peut avoir le coup. Autre film. Ouais, il y a Paul. Alors là, c'est une comédie. C'est une comédie, mais. Ce film, je voulais vous en parler pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que... Il ressemble un peu quand même à Sylvain, notre extraterrestre. Oui, c'est vrai. Quand on voit Sylvain, l'extraterrestre qui est entre Mathias et Stéphane, quand même, que vous voyez. Il ressemble bien. Je veux dire physiquement, pas morphologiquement. Non, mais physiquement. C'est un peu la caricature de l'alien. En tout cas, ce film montre cette intelligence extra. Alors, on se poit, c'est une comédie. Hein. C'est un extraterrestre qui est hyper intelligent, mais hyper fun, hyper rigolo. Il fait des conneries, il est vraiment rigolo. Et il rencontre deux passionnés d'ufologie, de BD, de geek. Déjà, ils n'y croient pas. Enfin, c'était le rêve de leur vie de rencontrer un extraterrestre. Ils le rencontrent. Cet extraterrestre est en train de devoir partir, un petit peu comme E.T., retourner maison, parce qu'effectivement, il s'est fait... Capturer. Et on a fait des essais sur lui. Et le prochain essai qui était prévu, c'est de lui enlever le cerveau. Il a réussi à s'échapper. Et donc, ces deux geeks vont l'aider à rejoindre l'endroit où il va pouvoir décoller. Donc c'est génial, on voit une vraie soucoupe volante, il y a une abduction volontaire. Et puis voilà, il a effectivement tout au long du film des pouvoirs de guérison, des pouvoirs télépathiques, voilà, qui nous montrent quel type de dons ou d'intelligence pourraient avoir des êtres hautement évolués. En même temps, tu vois ça arriver chez toi, tu n'es pas sûr d'y croire hein, quand même. Non. T'as le petit bonhomme là qui est là, c'est donc tu t'es dit... autre film, dernier film. On préférait Alf. Alors, Alf, oui. Ouais. moi, quand on parle de Confédération Galactique et de collectif de races, quand même, Cocorico, le film français le plus cher de tous les temps, c'est quand même Valérian. Et la cité des 1000 planètes. Moi, je trouve que c'est en tout cas un chef-d'œuvre de réalisation. Ouais. Il y a quand même, c'est vraiment spectaculaire ce film. 3000 espèces cohabitent quand même, dans une immense structure artificielle qui est partie, pour ceux qui n'ont pas vu le film, de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale. Qui, au fil des années... Colonisé. Voilà, c'est fait. Au départ, c'était... aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de pays. Mais après, c'était d'autres personnes de la galaxie et de l'univers qui sont vues s'agglutiner avec leur vaisseau autour de l'ISS. Et c'est devenu un truc gigantesque où il y a 30 millions d'individus. Et effectivement, c'est pas resté trop proche de la Terre, ça s'est déplacé, puisque ça allait poser quelques problèmes. Et dans ce... cette mégastructure, elle a un nom, mais c'est pas très grave. Ils partagent effectivement, tu as toutes les races de l'univers, donc ils partagent leurs connaissances, leurs sciences, leur culture, et bien sûr une organisation politique, puisque il y a quand même un petit peu de monde dans cette il faut un peu organiser tout cela, en fait. Ça a été un bide, hein, je crois, au cinéma. Malheureusement, moi, je n'ai pas compris. Alors, il s'est fait descendre dans les critiques. Et moi, j'ai lu aussi que finalement, il avait 70% de critiques positives aux États-Unis et 30% de négatives, mais que les médias ont relayé quand même
pas mal les. Non, mais en plus, Besson, il va sur les terres américaines. Valérian, bah, les Américains ne savent pas ce que c'est. Bah, oui, c'est ça. Une voilà, c'est le film a marché en France, ouais, c'est un nombre honorable d'entrée, voilà. Mais aux États-Unis. Mais aux États-Unis, moins bien. Valérian, personne ne sait ce que c'est. En plus, Valérian, c'est très français dans le nom. Enfin, tu vois, le mec. Tu vois, donc. En tout cas, voilà, si ça n'a pas été vu, c'est quand même. Alors, moi, je trouve qu'on est quand même dans un niveau et entre Avatar et Star Wars. Mmh. Quand même, on est quand même dans ces secteurs-là et c'est plutôt sympa. Et effectivement, dans le scénario, il y a au centre donc, de cette méga structure multi-civilisation extraterrestre, semblerait-il un problème, une zone radioactive, il semblerait, car en réalité, elle cache un secret et même un secret vivant. Bon, on s'arrête là. Ouais. Si tu veux, l'autre, il est capable de lui dire la fin. Si tu veux. Donc, voilà. C'est ça. Donc, merci pour ces films. Donc, Le jour où la Terre s'arrêtera, les deux versions, Paul et Valérian, c'est le conseil de, en tout cas, les conseils de Thierry Penin. À propos, puisque tu parles de race extraterrestre, j'ai reçu aussi, il y a à peu près 2 ans, c'était David Jacobs, docteur en histoire, qui était venu en France à OVNI Paris. On salue d'ailleurs Patrice Galactéros. Et à cette occasion, il était venu sur le plateau de BTLV. Et alors lui, moi, là, c'est pareil. Quoi. Je ne sais pas quoi penser de David Jacobs. Tant ce qu'il me dit sur les différentes races extraterrestres est stupéfiant. Là encore, écoutez-le. Il y a 4 types de gens. Donc les premiers, c'est ceux qui ressemblent à des insectes, comme des montres religieuses un petit peu. Ils sont très fins. They're the ones in control. They're the ones in charge. Et eux, c'est ceux qui contrôlent tout. C'est eux les chefs. Sort of reptilian, although. Puis il y a ceux qui ressemblent un petit peu aux reptiliens. Bon, c'est pas des reptiles, mais les gens disent qu'ils ressemblent à des reptiliens. That's part of the workforce. Je pense que c'est le gros de la troupe de force. Après, il y a les gris qui font partie des forces de travail également. Ce sont des aliens qui sont plus grands, et même les plus grands d'entre eux sont petits. They're part of the workforce also. And the phenomenon is devoted right now to. Et le phénomène maintenant, c'est de faire des humains. Donc des êtres qui ressemblent un peu à des humains, d'autres qui ressemblent un peu plus à des humains, et d'autres qui ressemblent beaucoup à des humains, et d'autres qui sont exactement comme des humains. Abduction et hybridation avec David Jacobs, c'est sur btlv.fr. François, essayez de mettre le lien de l'émission parce que elle remonte à 2 ans. Sinon, vous mettez dans la loupe David Jacobs et vous aurez cette émission. Moi, je suis étonné parce que là, lui, il affirme. C'est-à-dire qu'en fait, lui, pour lui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'au gré de toutes ces hypnoses, de tout ce qu'il a pu noter, ces extraterrestres, ils sont déjà là, c'est parmi nous. Il m'a raconté des trucs effrayants dans l'émission, qu'en fait, ils enlevaient les fœtus des femmes, qu'ils hybridaient, qu'ils remettaient dans les utérus des femmes. Enfin, scotché. Alors, après, il y a quand même quelque chose. Je lui dis, il s'est un peu braqué hein, à un moment donné. Je lui dis, mais c'est un peu quand même X-Files, votre truc. Et là, il m'a dit, mais pas du tout, etc. etc. Bon, j'ai appris par la suite qu'il avait été consultant quand même sur X-Files. J'allais te le dire. Donc voilà, c'est quand même. Bon, on ne sait pas, là, encore une fois, et c'est ce que je disais sur l'ufologie américaine, le côté OVNI, on ne sait pas où commence la réalité, où va la fiction. Mais c'est comme dit Mathias, c'est vrai que nous, tous ces gens-là, ont eu des choses dans les mains, ont vu des choses. Et puis nous, là, on est en discuté, mais on a jamais vu. On n'a jamais eu une expérience en la matière. Ouais, mais l'hypnose, par exemple, en ufologie, on en a parlé un peu avec Stéphane, elle est un peu tronquée parce que. Alors, c'est tout le problème des abductions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va avoir de l'information qui a été occultée, dans ces fameux missing time, hein, c'est en manquant où la personne, il lui manque des heures, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on peut effectivement utiliser un moyen qui est l'hypnose pour essayer de raviver la mémoire. Alors, il faut que ce soit bien conduit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un spécialiste qui n'induise pas des réponses. Voilà, c'est ça qui est important. Après, on a aussi un certain nombre de témoins qui racontent des choses dont ils se souviennent, donc on n'a pas besoin d'hypnose. Et parfois, et même assez souvent, ça rejoint ce qui sort quand même sous hypnose. Alors, sous hypnose, il y a des choses qui vont très loin. Hein. Ce n'est pas forcément le cas des gens qui se souviennent consciemment. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui se rejoignent. Donc, il ne faut pas tout occulter non plus, jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr. Voilà, mais il faut faire très attention, effectivement, sur les conditions sous lesquelles on va essayer de raviver les souvenirs de l'état d'esprit dans lequel la personne qui va être hypnotisée se trouve. Parce que si elle vient pour savoir si elle a eu un contact extraterrestre, s'il a déjà toutes les réponses, certaines choses. Voilà. Alors, vous arrivez, bienvenue. On parle ce soir de la Confédération Galactique. Avant la fin de cette émission, on aura dans une poignée de secondes Jessica Regnault et puis Pascal Fechner également de Maybe Planet.
On est en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous suivre, partagez sur Facebook, sur Twitch, mettez des pouces bleus sur YouTube. Sans vous, nous ne sommes rien, on n'arrête pas de le répéter. Et puis si vous voulez en savoir plus sur tous ces univers, vous pouvez nous rejoindre également et vous abonner à BTLV. Je l'ai reçu pour les abonnés. Justement, Jessie Crégnaud est avec nous. Bonsoir Jessie. Bonsoir Bob, bonsoir tout le monde. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV avec le même décor que la première fois qu'on vous a vu. Très BD derrière, donc très friendly. Et Jessie, je voulais vous avoir ce soir parce que vous avez peut-être entendu tout ce qui a été dit. Vous avez entendu David Rousseau tout à l'heure, peut-être si vous étiez là au début de l'émission. On parle de cette Confédération Galactique. Elle vous est tombée dessus à quel moment, cette Confédération Galactique, ou ces êtres de l'espace, Jessie? Elle nous est tombée dessus, c'est-à-dire, parce que c'est une très longue histoire, bon, c'est un sujet très vaste, il s'est passé que pour revenir aux origines de l'affaire, en fait, autrefois, il y avait des guerres entre les planètes, il y avait des guerres dans le ciel, dans l'espace, dans tous les différents univers et dans toutes les différentes galaxies, y compris des fois sur la même planète, comme nous l'observons encore malheureusement sur Terre. Et puis, petit à petit, les êtres les plus évolués se sont dit qu'il y avait autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à participer, notamment les Atlantes, une partie des Atlantes, qui ont commencé à dire « bon, il faut que les choses bougent et puis qu'on passe à autre chose, parce qu'on peut pas continuer à s'entretuer comme ça. Les guerres, on dirait interethniques, si on était sur d'autres continents, peuvent pas continuer, c'est pas l'évolution, c'est pas du tout la mission pour laquelle nous sommes sur Terre. » À partir de là, il y a eu une émergence de sages, qui se sont présentés, qui ont été reconnus par d'autres, alors des sages qui émanent de différentes galaxies, différentes planètes. L'idée a été reprise dans un des Guerres des Étoiles, hein, je ne sais plus lequel, je crois que c'est dans celui qui est affiché comme numéro 3 maintenant, ou quelque chose comme ça, où on voit Padmé Amidala, donc qui va à la Confédération. C'est la même idée, hein. L'idée a été pompée, le but c'est de passer le message aux humains, donc on passe au travers d'un film. Donc nous avons des gens de tout type d'origine et de tout type de compétences d'ailleurs, qui sont des sages, des élus ou des gens évolués, qui se présentent là et qui se donnent pour mission justement d'engager des pourparlers dans les cas où il y a des conflits, de résoudre les problèmes, de visiter les choses, de voir s'il y a besoin d'aider par ici ou par là, de voir, vous parliez tout à l'heure, d'aider la Terre, oui, la Terre aussi, entre autres, elle a été créée, elle a été terraformée, elle a été habitée depuis très très longtemps, et donc à partir de là, il faut aider également les humains, la Confédération Galactique participe aussi à ça, pas directement, il y a d'autres entités entre les humains et la Confédération Galactique, mais la Confédération Galactique participe à ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un conseil de sages, qui soit là pour résoudre les problèmes et puis pour gérer les choses de manière à ce que ça se passe bien et que tous les besoins soient pourvus. Un vrai gouvernement qui est là pour aider tous les gens sur toutes les planètes. Il y a pas de, alors je commence à réaliser que l'histoire de Galactique, c'est peut-être pas le meilleur nom. Moi, je travaille avec eux, hein. Bon, je suis, pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis hybride et je suis en contact permanent avec des extraterrestres d'un tas de races et d'origines et de planètes. Et donc, je travaille déjà avec eux sur plusieurs dimensions. Et nous avons résolu pas mal de choses et nous travaillons à beaucoup, beaucoup de choses. J'en ai parlé dans une autre émission. Nous vivons plusieurs vies sur plusieurs dimensions, systèmes en même temps simultanés. Et donc, ça nous permet de travailler sur différents plans. D'ailleurs, les extraterrestres qui viennent nous rejoindre ici sont eux-mêmes sur plusieurs dimensions et plusieurs vies souvent. Jessie, je vais vous couper deux secondes parce que là, vous avez dit quelque chose qui fait réagir, bien sûr, c'est « je suis hybride ». Ça veut dire que vous-même, vous êtes de père ou de mère extraterrestre et comment vous expliquez votre hybridation? Parce que ça paraît complètement dingue quand même. Alors, il faut savoir que, alors, il faudrait beaucoup de temps, je vais prendre des raccourcis. Hein. Dans l'univers, nous avons nos vies, nous avons notre karma, mais nous avons tout un tas de choses qui sont faites par des races qui décident et qui prennent des fois la main sur notre libre arbitre parce que il faut faire avancer les choses. D'une manière ou d'une autre, après ce sont des sages très très haut placés, alors je parle que des bienveillants, il y a aussi des malveillants, mais pour les bienveillants ce sont généralement des
races très très évoluées, et donc qui prennent des décisions afin de mieux aider la Terre, qui ne font pas le travail des humains, les humains doivent faire leur travail, mais de temps en temps qui envoient des gens pour aider la Terre ou pour négocier selon des décisions qui sont prises à un très très haut niveau. À partir de là, comment je suis hybride? Donc certains de ces extraterrestres, qui sont d'ailleurs une de mes familles extraterrestres, moi je suis hybride de ça, c'est un quart humain, donc une qui est reptilienne, a travaillé avec des états réticulis, donc les états réticulis dont on entend de temps en temps parler, qui m'ont aussi donné une partie de leur ADN, donc dans la création, tout ça se passe avant l'incarnation, hein. Dans ma création, donc il y a eu des manipulations d'ADN, et d'ailleurs pour la dernière pour moi, c'est Andromède. Il faut savoir que les reptiliens sont vraiment beaucoup de races ont une mission particulière. Les reptiliens, ce sont des êtres qui se sont évolués eux-mêmes à partir de leurs recherches, comme on fait en ce moment sur le transhumanisme ici sur Terre, et donc ils travaillent beaucoup, beaucoup. Ils sont très, très avancés en génétique et ils font beaucoup, beaucoup de travail en génétique pour eux. Mais c'est pas les seuls. Hein. Les mantes, moi j'ai des enfants aussi sur un vaisseau avec ma femme avant que nous nous soyons rencontrés d'ailleurs sur Terre. C'est encore une opération qui avait été dirigée par d'autres extraterrestres encore qui menaient une expérience avec nous. Toutes les expériences que nous vivons, nous avons donné notre accord avant notre incarnation terrestre. Juste, je vous coupe encore une fois, Jesse. Quel est le but finalement de ces extraterrestres? David tout à l'heure disait, David Rousseau, qu'on n'est pas suffisamment évolué pour qu'ils se présentent à nous, à part vous, hein, ce soir, visiblement, de façon finalement officielle. Quel est le but de ces extraterrestres et vont-ils se montrer à nous et s'afficher au grand jour? Alors, ils se montrent aux terriens depuis le début. Il y a des millions d'années, il y en a des traces partout. Là encore, ça ferait l'objet d'un long développement. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas besoin d'être particulièrement évolué pour les voir. Très souvent, beaucoup de gens en voient toute leur vie. Nous en avons en permanence autour de nous. Ils viennent particulièrement la nuit. J'ai fait une émission sur ce sujet-là. Ils travaillent, ils effacent nos mémoires parce que nous n'avons pas besoin nécessairement ou eux ne veulent pas que nous nous souvenions de ce qui se passe. Moi, je dis en général, que l'univers minestrone, imaginez un minestrone avec tous les ingrédients qu'il y a qui sont comme ça dans le bouillon, eh bien tout ça ce sont des races extraterrestres multipliées par un nombre incalculable et interminable, même à, ne serait-ce qu'à énumérer même en prenant des puissances de 10 ou d'autres. Mais en tout cas, il y a des races partout dans l'univers, dans d'autres univers, toutes les planètes pratiquement sont habitées dans l'univers, il y en a qui voyagent partout, qui travaillent partout et qui font tout un travail depuis la création et qui rencontre tout le monde. Je ne fais pas exception, hein, nous sommes probablement 100 millions, ne serait-ce peut-être plus, sur Terre qui sont comme moi, seulement beaucoup de gens ne sont pas éveillés, ne sont même pas au courant. Je travaille au travers de régressions avec des gens qui veulent venir me voir ou faire des formations ou des canalisations d'ailleurs aussi, à éveiller, avertir, former, informer certaines personnes, puisque c'est ma mission sur Terre, c'est aussi pour ça que je suis ici sur Terre. Jesse Crenou est avec nous ce soir pour évoquer son hybridation, son contact avec ces extraterrestres, sa vie, hein, visiblement, entre ces plus différents mondes. Et Mathias avait une question à vous poser. Oui, Jesse, bonsoir. Puisque vous êtes hybride, je me posais une question. Si on faisait des recherches, par exemple, médicales sur votre ADN, est-ce qu'on pourrait décrypter ces traces d'hybridation, ou est-ce que cette hybridation est masquée et que finalement on ne retrouverait pas de traces d'ADN extraterrestre ou de manipulation génétique? Alors c'est une question super intéressante pour beaucoup beaucoup de raisons. Les humains n'ont pas la capacité actuelle, enfin en tout cas pas officielle, de découvrir ce genre de choses. Il y a des gens qui sont soit des extraterrestres incarnés, soit des hybrides, soit des extraterrestres vivants sur Terre, qui ont tout le matériel pour faire ça. Par contre, ce qui peut se trouver, et là faut élever ses vibrations pour accéder à d'autres types d'informations comme moi je fais
en médiumité ou en canalisation, par exemple, il nous arrive de voir des choses qui sont surprenantes. Moi, au début, j'étais carrément surpris quand je me suis éveillé à tout ça. Je me disais, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Et je comprenais pas. Après, avec des contacts, avec des formations, beaucoup d'extraterrestres me contactent et me communiquent et me forment régulièrement. Donc, à partir de là, nous avons des informations, notamment, pour continuer sur votre idée, notamment le fait que nous n'avons pas que deux brins d'ADN. Hein, on 20 ans maintenant, je pense que c'est un Américain qui avait découvert ça, qu'il y avait de l'ADN poubelle. Il n'y a pas d'ADN poubelle, rien n'est inutile dans l'univers. Tout simplement, nous avons des brins d'ADN, beaucoup, qui sont à activer. Et à chaque fois que ces brins d'ADN, qu'un de ces brins d'ADN active, est activé ou s'active, eh bien, nous gagnons dans notre perception, notre clairaudience, notre clairvoyance, nos compétences pour, par exemple, guérir des gens. Moi, je suis également un bioénergéticien, donc je soigne des gens. Et nous avons plein de choses et nous accédons à d'autres dimensions directement ou indirectement. Et nous avons une meilleure voyance des gens qui sont autour de nous sur Terre. Moi, je vois des extraterrestres en permanence partout. Je suis sûr qu'il y en a plein que je ne vois pas. Et pour l'instant, j'en vois des centaines de races maintenant. Il y a Sandrine qui va vous poser une question. Elle aussi, elle voudrait savoir quelque chose. Oui, bonsoir JC. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des enfants dans un autre monde. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Comment ça se passe? C'était avant? C'est en parallèle? C'est comme si vous aviez différentes vies en parallèle? Et est-ce que votre femme aujourd'hui, qui, si j'ai bien écouté tout à l'heure, était déjà votre femme avant ou en parallèle, a aussi des contacts? Peut-être vos enfants aujourd'hui? Comment ça se passe les contacts entre ces deux familles en parallèle? En gros, il n'y en a pas humain. Alors, comment ça se passe? Ma femme n'était pas ma femme, elle n'était à l'origine que l'objet d'une étude, comme moi, hein, d'un travail qui était opéré par des extraterrestres de haut niveau, qui nous ont emmenés sur leur vaisseau, qui est encore près de la Terre. Nous nous voyons de temps en temps, mais c'est très rare, c'est très difficile. Il y a des extraterrestres qui sont notamment des mantoïdes, donc ce que vous appelez des mantes religieuses, qui, elles, de temps en temps, font des enlèvements pour emmener les parents des enfants sur leur vaisseau pour qu'ils les tiennent, pour voir au niveau du développement des émotions humaines, etc. Moi, c'est quand j'ai connu ma femme et que nous avons fait de la... Enfin, sur Terre, donc, cette fois, que je l'ai connue, mais c'était déjà plusieurs années plus tard. Ça faisait plusieurs années que je faisais des rêves. Et elle me dit, mais c'est marrant, je fais des rêves et tout. Et nous parlions de la même chose à propos de nos rêves par rapport à cette rencontre, etc. Et la première fois que j'ai vu nos enfants, notamment mon fils, ça a été vraiment un choc. Je me suis dit, oh, mon Dieu, il est vraiment là, quoi. C'était carrément tangible pour le coup. Et donc, non, parce que c'est impossible pour eux de vivre sur Terre. Hein. C'est très, très difficile. Ils n'ont pas du tout le même système. Il n'y a pas la même gravité. Ils sont sur des vaisseaux. Ils n'ont pas les mêmes contacts. Et puis, nous faisons tous l'objet d'expériences à un niveau ou à un autre. Alors, ça ne va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais de toute façon, nous faisons des expériences. Nous pouvons prendre de plus en plus parti à ces expériences de manière décisive et active dans la mesure où nous élevons nos vibrations et nous accédons, comme je disais tout à l'heure, à d'autres activations d'ADN, et ce qui fait que, à partir de là, nous approchons d'une certaine hauteur et donc de certaines sciences et de certaines techniques qui ne sont pas connues de l'humain qui n'est pas encore éveillé à ça. Ça ne veut pas dire que cet humain-là n'est pas déjà en travail. Hein. Le travail peut se passer à son insu, je dirais. Jessie, dernière question, qu'est-ce qui peut nous faire croire à tout cela? C'est parce que là, vous le savez, vous imaginez avec un tel discours, nous on est très ouverts, il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Est-ce que vous avez un implant? Est-ce qu'il y a un truc particulier? Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire à 100% à ce que vous nous dites? Des implants, j'en ai plein, j'en ai un qui est très visible, notamment sur la main, on ne le verra peut-être pas à la caméra. Parce que j'ai ici, là, à côté de mon doigt, un petit grain de riz qui est rattaché à mes os à l'intérieur là. Je me suis réveillée un matin, j'avais ça. Mais j'en ai beaucoup d'autres sur d'autres parties de mon corps. J'en ai qui ont été enlevés, j'en ai qui sont ajoutés. Faut savoir que les implants ne sont pas tous physiques. Il y en a qui sont immatériels, qui peuvent être auriques, éthériques, magnétiques, etc. Donc c'est assez difficile. Maintenant, je n'aime pas le mot de croire. Depuis que je suis enfant, moi je parle de ça avec mes camarades à l'école et tout. Et mes copains me disaient, oui, toi tu y crois. Mais j'ai dit, j'y crois pas, je sais, je les vois.
C'est pas une religion, c'est pas une philosophie, c'est pas une idée politique. Il s'agit pas d'une croyance, mais il y a une manière de voir, comme je disais tout à l'heure, mais je l'ai pas développé. Il y a des traces des extraterrestres sur Terre, partout, partout, partout. J'en ai déjà parlé. Je suis prêt à en reparler à qui veut m'entendre et à l'expliquer. Mais il y a des traces partout, partout de leur passage physique. Il y a des gens qui se font enlever, il y a des gens qui rencontrent des extraterrestres incarnés, par exemple, ou même physiques. C'était le cas de Nicolas Turban que vous aviez reçu il y a quelque temps. Nous sommes plein sur Terre. Nous ne sommes pas des exceptions. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'avais l'impression d'être quelque chose, d'être, comment on dit en anglais, un freak, quelque chose d'étrange, de bizarre, quand j'étais petit, parce qu'on m'a fait croire ce genre de choses, parce que je ne collais pas à la norme humaine. Et puis, en le développant, en grandissant, en vieillissant, et puis en cherchant, et là, j'en ai encore plein autour de moi, eh bien, j'apprends plein de choses et je me dis, bah non, 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 et j'arrive à reconnaître maintenant des extraterrestres incarnés, donc qui sont dans une peau humaine, mais qui sont en fait des extraterrestres. Mais il y a bien. Merci mille fois d'être venu ce soir en direct sur BTLV pour nous parler de votre vie, de ce contact que vous avez avec cette vie extraterrestre. Encore une fois, comme je le dis, je ne condamne personne, je suis très ouvert à tout, j'envisage tous les possibles sans aucune croyance et je trouve ça courageux de votre part de vous exposer comme vous le faites. Et merci mille fois parce que vous nous avez livré il y a quelques mois une émission que j'ai pris un plaisir à animer à vos côtés. Merci Jesse, vous ne changez rien, vous restez avec nous mesdames, messieurs, dans un instant on va avoir Pascal Fechner qui lui aura certainement un autre son de cloche, mais avant cela je vais me tourner vers Sandrine Chopin. Parce que si tout cela, Stéphane, tu l'as vu aussi, paraît complètement fou, il y a quand même des militaires, il y a quand même des gens qui en parlent, et notamment un général israélien qu'on a évoqué il y a quelques temps. Absolument, les extraterrestres sont parmi nous, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est effectivement ce général israélien Haïm Eshed, l'ancien général israélien. Pour lui, ça ne fait aucun doute, et d'ailleurs, les États-Unis auraient signé un contrat avec eux, ils seraient en étroite collaboration. D'ailleurs, Trump aurait failli vendre la mèche, il n'y a encore pas très très longtemps. On se demande si ce n'est pas les extraterrestres qui nous l'ont envoyé, lui, quand même, hein, parce que... Donc pour lui, une confédération galactique serait déjà en contact avec certains terriens et aurait commencé d'ailleurs à mener des expériences sur notre planète. En tous les cas, les extraterrestres ne sont pas prêts à faire leur coming out parce que nous ne serions pas prêts. Déjà, l'humanité ne serait pas prête à remettre en cause toutes ces croyances. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça, c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, à mon sens, un moyen de dire, voilà, on ne peut pas les voir parce qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'en fait, ça me paraît un peu énorme quand même. Quoi. Donc, en tous les cas, il faut bien trouver des raisons. Oui. Alors, soit on n'a pas une vibration assez forte, assez haute, soit on n'est pas suffisamment prêt pour remettre en cause nos croyances. En tous les cas, d'après lui, ça ne les empêche pas d'avoir construit une base avec les Américains sur dans les sous-sols de Mars. Mmh. Et puis, il y a aussi un général russe, Alexei Savin, qui après un début prestigieux dans la marine a créé en 1989 une nouvelle unité qui s'appelle la Military Unit 10003 qui a pour vocation d'étudier les différentes compétences extraordinaires de certains individus et notamment au sujet de la télépathie. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que pour lui, évidemment, les Américains sont beaucoup plus avancés que nous, notamment sur toutes les études sur la télépathie. Et il a donc fait pas mal d'expériences en télépathie qui ont permis de montrer que grâce à la télépathie, certaines personnes arrivaient à déceler des bases ennemies, donc rien que par la pensée. Alors, il a fait plusieurs expériences et lors de ces différentes expériences et ces étonnantes aventures, il a aussi il y a eu des rencontres avec des aliens. Donc, pour lui, les contacts se font avec les aliens par télépathie et ils auraient un mode de communication qui serait vraiment composé de chiffres et de lettres, donc comme les opérateurs. Donc là encore, pas de preuves, mais en tous les cas, des propos parfois controversés. Et puis Isaac Ben Israël, un directeur de l'agence spatiale israélienne, qui croit lui tout à fait possible les extraterrestres aussi, bien qu'il n'ait aucune preuve et qu'il pour lui ne se soit jamais manifesté. Après, il n'y a pas beaucoup de militaires, pas beaucoup de pays qui ne croient pas à la possibilité extraterrestre. Exactement. Personne n'a aucun gouvernement qui a condamné la vie extraterrestre en disant que ça n'existe pas. Mm. Par contre, effectivement, la vraie difficulté, c'est d'avoir la preuve absolue qui ferait que... Ouais. Et en même temps, quand on voit ce qui s'est passé au-dessus du Capitole, quand même, aux États-Unis, à Washington, quand il s'est passé des choses... Il y a tout ça, il y a toutes les bases militaires qui ont été survolées, c'est des porteuses d'ogives nucléaires, il y a aussi des centrales nucléaires civiles, et Rendlesham en fait partie, enfin pas du civil, mais
l'étude militaire. Donc oui, bien sûr, donc, on sait qu'il y a quelque chose qui est effectif. Le phénomène. On sait que les militaires sont au courant de beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, ils ont un certain nombre d'informations qu'ils ont déjà depuis les années, en gros, 40, fin des années 40, début des années 50, sont les militaires qui, les premiers, ont eu accès au survol, aux informations de survol des bases militaires. Donc ils savaient qu'il y avait quelque chose. Et ensuite, on sait qu'il y a eu une censure qui a été faite. Les militaires continuent à garder de l'information, à recevoir de l'information. Et en fait, les officines civiles en reçoivent quelques-unes, mais souvent censurées. Voilà. Alors, on va, sans transition aucune, accueillir Pascal Fechner de Maybe Planet, qui a justement écrit, là, dans le magnifique Inexpliqué magazine dont on est partenaire et que l'on doit à l'équipe de Nicolas Montigiani. Il est avec nous. On l'a, Pascal, ou pas? On l'a pas? On l'a pas encore? Bon, écoutez, on va passer. Alors, peut-être... si on me dit dans l'oreillette qu'on ne l'a pas... Tu n'as pas d'oreillette. Si, j'ai deux oreillettes, mesdames et messieurs. On va peut-être passer la bande-annonce des Rencontres du Mystère et de l'Expliquer. On essaiera d'avoir Pascal juste après. C'est samedi prochain, pas celui-là, dans deux jours, dans 10 jours exactement, rendez-vous le 20 mars, en privé, voilà, petit comité, bon, vous êtes des centaines et centaines déjà à avoir réservé, et faites-le. Alors justement, à propos des réservations, elles vont s'arrêter le vendredi à 18h, pour des raisons techniques, donc plus vous réservez tôt, mieux c'est, parce que après, ça va être un peu compliqué de réserver. On a besoin d'envoyer les liens qui vous permettront, parce que ce sont des liens uniques. Vous ne pourrez pas le partager, n'essayez pas d'escroquer. C'est le lien, il sera que pour vous. Donc, par ordinateur, vous ne pourrez pas être nombreux à envoyer avec le même lien et à regarder avec le même lien. Donc, n'hésitez pas, François a mis le lien, je pense, pour les réservations, où il y a tout expliqué, avec le programme, etc., sur btlv.fr. Pierre-Alexandre Pendant pour la table ronde sur la génétique, justement, l'ADN modifié peut-être par les extraterrestres. Patrice Pouillard, Egon Kragel, Jocelyn F. Keller, Patricia Daré, Pascal Lafargue, Jocelyn F. Keller. Ça va être une sublime journée. Vous allez la passer avec nous. Nous, on sera devant vous, mais vous serez certainement avec le plateau, les pépitos ou les cornflakes là, à nous regarder. Tacos. Et ça va être les tacos, ça va être génial. Est-ce qu'on a Pascal Fechner? Non, on n'a pas Pascal Fechner, on a quelques liaisons, quelques problèmes de liaison. C'est dommage, si on arrive à l'avoir avant la fin de l'émission, ce serait très bien. On va revenir sur, parce qu'on a beaucoup parlé, Stéphane, de toute cette Confédération Galactique, mais t'es au courant, depuis toujours, on dit que nos politiques ont eu des rapports avec, la Confédération Galactique, et on en parle avec Mathias. Ben alors, on vient de parler des militaires. Puis il y a des politiques aussi. Et les politiques et les extraterrestres, c'est un peu les liaisons dangereuses. Alors, il y a trois catégories. Il y a ceux qui y croient. Il y a ceux qui doutent et qui demandent à voir. Et puis, il y a une autre catégorie qui est assez amusante. Il y a ceux, il y en a certains, qui sont sommés de faire la preuve qu'ils ne sont pas des extraterrestres. Alors, ceux qui y croient, j'en ai retenu deux, et deux assez importants. Le premier, je vais taire le nom, je vais vous lire ce qu'il écrit. Voilà ce qu'écrit cet homme politique qui a dirigé une des plus grandes puissances du monde. « Je ne suis pas suffisamment impressionné par les succès que nous accomplissons en tant que civilisation pour penser que nous sommes le seul point de cet immense univers qui contienne la vie, des créatures intelligentes, ou que nous ayons atteint le stade de développement physique et mental le plus élevé dans la vaste étendue de l'espace et du temps. » Qui a écrit ça? Ronald Reagan.
Non. C'est un politique, hein. Churchill, exactement. C'est Churchill qui a écrit ça en 1939. Alors, c'est assez étonnant qu'en 1939, alors que le monde est au bord du gouffre et qu'on s'apprête à plonger dans un conflit mondial, Churchill écrit ses propos. Figurez-vous que Churchill a écrit un petit traité, qui est un traité de 11 pages, qui s'appelle « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» et qui n'avait jamais été publié, qui a été découvert par hasard au National Churchill Museum à Fulton, dans le Missouri, aux États-Unis, et qui concerne justement la vie extraterrestre à laquelle Churchill croyait. Alors, c'est un manuscrit qui avait été cédé en 1980 par la femme de l'ancien éditeur de Churchill, qui a été abandonné, qui est tombé dans l'oubli, et puis qui est ressorti assez récemment, il y a quelques temps, qui a été repris dans un article publié par Nature, donc ouais, quand même... Sur btlv.fr aussi, monsieur, allô. Oui, mais bien après, dans un magnifique article, effectivement. C'est un essai qui est assez intéressant, parce que Churchill, en fait, commence par décrire les caractéristiques les plus importantes de la vie. Il dit que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau. Il envisage, en 1939, une conquête spatiale, puisque dans cet écrit, il écrit donc « Un jour, peut-être, dans un futur proche, il sera possible de voyager sur la Lune et même sur Mars ou Vénus ». Donc, il fait de la prospective de spationautes. Cet essai est quand même un essai majeur pour montrer que les politiques peuvent croire. Churchill, c'était pas quelqu'un de perché. Hein, ouais, c'était quand même un type qui était bien ancré, quoi. Le deuxième personnage politique de premier plan qui croit fortement à la présence extraterrestre, bon, il est connu, c'est Paul Elliott, qui est un ancien ministre de la Défense, qui a été ministre de la Défense et ministre des Transports, enfin surtout ministre de la Défense de 63 à 67 au Canada. Pendant toute la période où il était ministre de la Défense, il n'a pas trop fait état de ses croyances en la vie extraterrestre. Et en fait, il va donner une interview en 2007 au quotidien Ottawa Citizen, et c'est dans cette interview qu'il va appeler les gouvernements mondiaux à révéler en fait ce qu'ils savent sur les technologies extraterrestres afin d'enrayer les changements climatiques. Mmh. Alors, c'est une interview qui a fait énormément de bruit parce qu'on s'y attendait pas, en fait. Jusqu'à présent, il n'avait pas fait son outing extraterrestre. Voilà ce que déclare Paul Elliott. Il dit « Il faut persuader les gouvernements de dire ce qu'ils savent. Certains d'entre nous pensent qu'ils en savent beaucoup. Cela pourrait suffire à sauver notre planète. » Donc, c'est pas rien. C'est le ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense canadien. Et puis, il va revenir plusieurs fois sur déclaration, notamment en avril 2008, à l'occasion d'une conférence de presse donnée par le National Press Club à Washington. Il s'exprime à nouveau sur le même sujet. Et en 2013, également, lors d'une interview télévisée sur Russia Today, une chaîne qu'aime beaucoup notre ami François Démier, où il affirme, en fait, là, il va un peu plus loin, puisqu'il affirme que les extraterrestres, donc 2013, c'est pas très longtemps, visitent la Terre depuis des milliers d'années et collaborent aujourd'hui avec le gouvernement américain. Alors, ça a fait quand même grincer pas mal dedans, ça a été beaucoup démenti, notamment par tous les officiels, mais toujours est-il que la déclaration est là, et que... Ça rejoint, enfin, on a parlé du général israélien qui dit la même chose, parce que Paul Elliott, je me souviens, il m'avait dit de continuer le travail, qu'il fallait balancer l'information, la divulguer, etc., que c'était un travail de longue haleine, mais en même temps il est allé jusqu'à dire que finalement ils étaient venus, qu'on les avait envoyés chier, c'est-à-dire qu'en fait qu'on ne voulait pas, mais comme visiblement la petite fille ou la dernière petite fille d'Eisenhower qui avait dit en 54 qu'il avait j'avais écrit un papier aussi dessus. Lui, il était parti à une partie de golf en avion, très très loin. Ou chez son dentiste. Voilà, ou chez son dentiste, on ne savait pas. Et que visuellement, il avait rencontré un extraterrestre sur une base militaire particulière. Qui lui avait dit, écoutez, on peut bien vous aider, mais il faut arrêter votre programme militaire, etc. Et Eisenhower avait dit, vous allez repartir dans votre vaisseau là. Parce que voilà. Donc, et voilà, c'est ça. Donc, mais c'est une réaction par rapport à tout cela. Bah, si tu veux, Paul Elliott, il faut savoir que lui s'intéressait au sujet. Bon, vous l'avez traité d'ailleurs en sujet. Voilà. Vous avez fait des. Alors, oui, j'ai vu qu'il y avait. Il n'y a pas un article sur le repas alors, des.
Regarde sur le site, effectivement, je pense que j'ai dû écrire un article sur Paul Ayer. Il y en a plusieurs, donc je ne sais plus honnêtement. Par contre, effectivement, Paul Ayer s'y intéressait bien plus tard, en ayant rencontré donc, des généraux, des anciens astronautes aussi, voilà, notamment le sixième homme qui a posé le pied sur la Lune. Et effectivement, il a eu accès à des informations en ce sens-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'était pas fermé au départ, mais ensuite il s'est construit les affirmations. Il a eu des preuves, c'est tenté qu'on puisse avoir des preuves dans ce domaine, mais il a eu beaucoup de témoignages de militaires. Voilà. Puis après, il a lu, il s'est vraiment intéressé au sujet, il a rencontré des contactés. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement convaincu et qui pense qu'effectivement, on aurait récupéré une technologie de nature extraterrestre, en tout cas venant d'ailleurs, permettant justement d'éviter la pollution atmosphérique. Oui, c'est ça. C'est très lié à la question climatique. En clair, c'est l'énergie libre. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Pour revenir sur effectivement Churchill, là, c'est plus étonnant. Parce que Churchill, en 1939, à une époque où on ne parle pas encore de soucoupes volantes, et même des boules de feu vertes, hein, les fameux Foo Fighters qu'on a vu survenir pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, là c'est plus surprenant. Ouais. D'où lui venait cette conviction. Parce qu'en plus, je me rappelle de l'article que j'avais écrit, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce petit manuel qui a été récupéré, il parle d'un certain Mario Livio, je crois, qui est un scientifique, et Mario Livio est étonné. Parce qu'en fait, Churchill parle des exoplanètes déjà. Ouais. Il parle de plein de choses. C'est Mario Livio qui a écrit un article. Je crois que l'article dans Nature a été écrit par Mario Livio. Et en fait, il est étonné par ça. Quoi. Il dit, mais comment pouvait-il le savoir avant Kepler, etc. C'est-à-dire qu'en fait, comme s'il avait eu des informations lui-même astronomiques avant que le monde, le grand public, puisse les découvrir. Voilà. Donc, après, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on prête un certain nombre de messages extraterrestres au début du XXe siècle, un certain nombre de personnes. Le premier étant un certain Nikola Tesla, qui en prête beaucoup de choses d'ailleurs. Bon, voilà. Donc est-ce qu'il y aura eu accès à des témoignages comme ça, par sa nature de politique ? Pour Léonard de Vinci, tu sais, il y a des gens qui disent ce mec avait des informations. Voilà. Après, on peut se poser la question. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais on peut se poser la question. En tout cas, voilà, d'où venait l'information ? Là, pour Churchill, c'est une vraie question, effectivement. Bah, on se demande d'ailleurs, chez François Lévy, par exemple, d'où vient l'information. On se demande si elle est extraterrestre. Parce que François, quand je serais collaboré avec lui, je me dis des fois, le mec est habité. Quoi. Il reçoit t'as une douche lumineuse extraterrestre. Je travaille beaucoup aussi. Oui, bien sûr. Parce que tout ce que je dis sur l'espace... Tu vois, au fur et à mesure des années, ce que je raconte, pas non, c'est énorme. Non, mais de toute façon, tu es habité, tu es un contacté, François, on le sait. Justement, est-ce que tu es contacté sur les réseaux sociaux? Ben, je me suis battu là, contre les grands marabouts, là, c'était la guerre. Ah oui, alors Star Wars. C'est hallucinant, depuis quoi, 3-4 mois, on a plein de marabouts qui arrivent. Donc, ça, j'avais dit à Thierry, arrête tes copains, il ne faut pas les faire venir. Hein, donc, voilà. Bon, je vais mieux, j'ai plus de problème. Bon, tant mieux. Il y a Katz qui dit, j'ai un implant métallique qui est tombé de mon oreille, malheureusement, je l'ai mis à la poubelle, ce fut le premier réflexe. C'est pas une boucle d'oreille. Il y a Sandra qui adore la bande-annonce des rencontres. Ah bah écoutez, c'est vrai qu'elle est très très belle. Et on la doit à David, notre monteur, qui a fait un travail formidable. Il y a Mallory, on n'a juste d'aucun intérêt à part pour les plus curieux et les minerais, à part de ce qu'on pourrait trouver sur Mars. Bon, là, on n'a pas tout compris dans la phrase complète, mais sinon, c'était quoi la question? Sur l'extraction des minerais qu'il y aurait sur Mars ou sur la Lune. D'accord. Et c'est tout simplement, il pense que l'homme veut simplement exploiter les astéroïdes. D'accord. Alors, Bob devrait par contre faire une présélection des intervenants. Donc, on a tout sur BTLV, on a même des scientifiques de très très haut niveau. Donc, tout le monde a sa place sur BTLV. Exactement, je ne renie personne, je ne censure personne. Dès l'instant, on fait pas de projet. Sinon, vous allez sur BFM, les gars, vous n'aurez jamais Jessica Regnault et David Rousseau. Hein. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui ont un autre discours. Et puis, c'est pas une chapelle, ils n'êtes pas là toutes les semaines à raconter leur histoire. Et je vous rappelle que le titre, c'est Peut-on réellement l'envisager avec un point d'interrogation ? Voilà. C'est justifié à chaque fois. Il y a Green Star, s'il y a une civilisation intergalactique et que l'on continue à leur envoyer des messages avec le SETI, ils vont nous envoyer leur fisc pour payer l'impôt galactique. D'accord, c'est ça. T'imagines le mec, c'est bon, alors les gars, on est là, planète Terre. On vous a oublié, parce que bon, il y a quand même un impôt. Oui, mais en quelle monnaie on le paye? En quelle monnaie? Mais on va s'arranger, on va faire en dollars direct, parce que les Américains, voilà. Il y a Laurent, si seulement les ETI pouvaient nous débarrasser de la Covid, ça serait cool. Il y a bien pire que ça encore dans le monde. Hein, oui, il y a pire que ça. Ouais. David Jacob a raison, mais il oublie de dire que ce qui contrôle tous ces monstres sont les Pléiadiens. Pléiadiens. C'est ce que j'ai dit. Pléiadiens, t'as dit. Ils pédalent. Pléiadiens. Dans la soupe galactique. Ils ont des pédaliers. Les Pléiadiens, c'est les galériens de l'espace. Donc, on n'en a pas parlé ce soir d'ailleurs beaucoup. Des Pléiadiens? Parce qu'à l'époque, je me rappelle. Tu voulais qu'on en parle. Le mec est frustré, t'as la fin de l'émission.
Vous imaginez à 21h, je suis un peu déçu. Je voulais qu'on parle des Péadiens, des copains. Donc... Je vous rappelle que je suis arrivé sur BTLV, c'était très à la mode il y a quelques années. Maintenant, je suis dit, on ne parle plus. Non, mais on voit. Alors, ça, tiens, c'est très bien ce qu'il me donne le relais pour que je te le passe. Il y a une mode chez les ovnis et les extraterrestres. C'est-à-dire qu'en fait, ça évolue avec le temps. Quand on parle du début des années 40, les Foo Fighters, les machins, les modèles de soucoupe, les engins, les lumières, ça change. Alors, il y a des modes, mais pourquoi il y a des modes? Peut-être parce qu'il y a de plus en plus de gens déjà qui s'y intéressent, qui écrivent sur le sujet. Et souvent, on déterre des choses qui viennent d'ailleurs. On fait des liens avec l'Égypte, avec l'Atlantide, etc. Ce n'est pas forcément évident. Donc, ça crée une espèce de culture, de sous-culture sur le sujet, parce que les Pléiades, effectivement, on sait qu'en Égypte, c'était certains couleurs de pyramides sont orientées vers les Pléiades. Donc, c'est vrai qu'il y a des étoiles comme ça qui sont mises en valeur. Donc, certains les mettent en avant. Donc, ça peut créer une mode. Après, il y a peut-être d'authentiques espèces qui viennent des Pléiades. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Donc, il peut y avoir des choses comme ça, des modes, des choses qui viennent, qui reviennent. Voilà. On parle beaucoup de Sumériens en ce moment. Ouais. Bon, Anton Parks, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le sujet. Voilà, donc tout dépend. Effectivement, il y a des choses qui sont déterrées, des choses parfois solides, parfois moins solides. Donc tout dépend. Alors François, on va rester avec toi parce que tu vas nous parler d'un cas, Betty Berni, qui est un cas que j'ai, sur lequel j'ai écrit, que j'avais raconté sur C8. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, mais qui est un cas assez intéressant. Oui, parce que finalement... Lorsqu'on recherche la preuve justement de cette confédération galactique, de ces extraterrestres, une des meilleures preuves, c'est le contact. Et de plus en plus, depuis les années 60, visiblement, il y aurait de plus en plus de gens qui seraient contactés par les extraterrestres. Alors pour certains, ça se passe plutôt bien, et pour d'autres, plutôt mal, avec ceux dont on parlait de Jessie tout à l'heure, de Jessie Crenu, avec les hybridations, enfin, il y a des choses assez horribles qui se passent entre nous et ces fameux extraterrestres. Alors, l'histoire la plus célèbre est née dans les années 60, une histoire que, Bob, tu connais très très bien, c'est l'enlèvement de Betty et de Barney Hill. Alors, cette histoire se déroule en 1961, et ce couple avait passé des vacances au Canada, et ils rentraient tranquillement chez eux, au volant de leur belle américaine, et vers 22h, ils aperçoivent une lumière dans le ciel. Alors ils sont intrigués, ils regardent la lumière, et puis il y a même Barney qui prend ses jumelles carrément, et puis là, c'est le choc, il voit une sorte d'objet en forme de disque avec des ailes de chaque côté. Il pense même voir les hublots et même voir des passagers derrière. Mais surtout qu'en fait, l'engin va les suivre longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur la nationale en rentrant chez eux, et en fait, pendant longtemps, ils vont observer cet engin. Et jusqu'au moment où ils sont un peu pris de panique, l'objet se rapproche vers eux. Et puis là, paf, ils se retrouvent 55 km plus loin, et leur montre s'est arrêtée. Et quand ils arrivent chez eux, ils ont perdu 2 heures. Alors où est-ce qu'ils sont passés, 16 heures? Ils ne savent pas. Et puis dans les jours qui suivent, ils sont pas bien. Le couple, là, ils ne sentent pas bien, ils ont mal au ventre, ils ont des problèmes de santé. Donc ils consultent un médecin qui leur dit, mes pauvres amis, je ne vois pas ce que vous avez. Donc ils vont voir un psychiatre et là, il s'appelle Benjamin Simon. C'est un psychiatre réputé et qui commence à faire de l'hypnose régressive avec eux. Et alors là, c'est le choc. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils revoient toutes leurs vacances. Alors c'est un peu sympa, au départ, jusqu'à ce fameux moment, jusqu'à cette fameuse nuit. Et là, ils se rendent compte que les extraterrestres les ont carrément arrêtés sur la route. Et les ont emmenés dans ils ont descendu de leur voiture, ils ont emmenés dans une clairière. Et là, ils ont commencé à leur trifouiller à l'intérieur du corps, à les ausculter. Avec une longue aiguille dans le nombril de Betty. Il y a des prélèvements de sperme, enfin c'est la catastrophe. Et puis ce qui est important, c'est que lorsqu'on aura demandé de raconter de nouveau cette histoire, on les a séparés, ils ont raconté la même histoire. Donc c'est un peu... Alors je ne sais pas si depuis c'était débunké ou pas. Non, ça n'a pas été débunké. Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est en fait le dessin de Zeta Reticuli que Betty va faire. C'est-à-dire qu'en fait elle n'est pas du tout astronome, elle y connaît rien. Elle va dessiner... Zeta Reticuli, qui est quelque chose que les chercheurs ont pu identifier. Et elle n'aurait pas pu l'inventer. Non. Et puis après, il y a sa robe aussi, qui aujourd'hui a une substance qui n'a toujours pas été révélée. Il n'y a pas la voiture qui a gardé des traces aussi. Donc, non, ce n'est pas sur cette histoire-là, mais incroyable. Oui, alors justement, pour coller au sujet de ce soir, dans l'histoire de Betty Barney Hill, tu soulignais la carte effectivement stellaire que Betty aurait vue à bord de l'engin. En fait, c'est une... Elle s'en est souvenue, c'est ça qui est fou. Alors, elle s'en est souvenue sous hypnose. Ouais, c'est ça. Mais en fait, après, en la décrivant, c'est une institutrice américaine, du nom de Marjorie Fish, qui a l'idée effectivement
effectivement, parce qu'elle s'intéressait à l'astronomie, de retrouver les étoiles d'où provenaient les chemins. Ouais. Et là, c'est intéressant de savoir que dans cette astronef, a priori, il y avait une espèce de carte de chemin stellaire. Donc ça montre bien que qui dit chemin dit effectivement voyage et peut-être aussi commerce avec d'autres ethnies. Ça me rappelle le film Capax avec celui qui jouait cet acteur magnifique qui a été condamné là pour Kevin Spacey. Kevin Spacey qui a une plainte au cul sur pour maltraitance ou harcèlement sexuel, hein, c'est ça. Avec Jeff Bridges où c'est pareil, il fait une trace dans l'espace, un truc de dingue. Deuxième petite histoire, très courte. Mais très très courte parce qu'on est très Valdez. Très Est-ce que tu connais l'histoire de Valdez? Le caporal Valdez. Oui. Qui est patrouillé avec ses soldats et qui a carrément disparu dans la brume. Et il est revenu quelques instants plus tard avec les cheveux longs, mal rasés, etc. Ouais, donc, mais c'est... Dans Contact OVNI au Brésil, que je vais évoquer demain avec Jean Librero, il y a une histoire où le mec réapparaît 4 jours plus tard, à 39 km de chez lui. Enfin, un truc de... c'est absolument incroyable. Pascal Fechner est avec nous, je crois, si je ne m'abuse. Pascal, est-ce que tu es là? Je suis là, salut Bob, salut à tous. T'avoir, on a failli pas t'avoir. Alors, t'as peut-être entendu toute l'émission et je le disais, t'as écrit un papier dans Inexpliqué. Quel est ton point de vue sur cette confédération galactique? Dis-moi, mon Pascal. Ce qui était intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qui parle de cette confédération galactique, Ali Meshed, qui est quand même un homme qui a traversé le siècle dans un pays compliqué, controversé en termes de territorialité, qui était vraiment au cœur de la défense, donc de la conquête spatiale israélienne et autres. Donc ça, c'était un point intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'était la personne la plus légitime pour le faire. Maintenant, la difficulté, c'est qu'Ali Meshed, aujourd'hui à 87 ans, qu'il a dit ça absolument sans filtre, et puis absolument sans preuve. Donc dire, puisque c'est un spécialiste spatial qui le dit, c'est vrai, je trouve que c'est un petit peu léger quand même. D'après toi, il y a une once de vérité, il y a quelque chose, ou alors c'est bullshit, parce qu'on sait aussi quand même qu'il sortait un bouquin, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toujours très intéressant. On sait que ce général, d'ailleurs, ce militaire, ne s'intéressait pas à l'ufologie pendant sa carrière. C'est arrivé sur le tard, hein, je crois. Ouais, enfin, il s'y intéressait pas, si, quand même, il s'y intéressait, mais peut-être qu'effectivement, il n'en faisait pas de publicité, ça, c'est tout à fait possible. Moi, je le prends comme un testament philosophique d'un homme qui a traversé une époque compliquée dans un pays compliqué. Et effectivement, je suis d'accord avec sa conjecture. Si une confédération galactique existait, elle ne prendrait pas contact avec nous en ce moment, puisqu'elle n'aurait aucune raison de le faire. On prendrait probablement leur technologie pour la retourner contre elle. Donc, en ça, je suis d'accord avec lui. Là où c'est dommage, c'est que, on a un peu livré ses propos sans filtre, en pâture, dans un journal très populaire en Israël. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. D'ailleurs, sa co-autrice, qui l'a aidé pour écrire son livre, était absolument furieuse que ce papier soit sorti en l'état, puisque quelque part, elle estime que ça gâche, ça entache l'image de cet homme qui, encore une fois, est un véritable héros en Israël. C'est pas le premier, on en a parlé tout à l'heure avec Stéphane, avec Mathias, des politiques disent avoir été en contact, Paul Elliott, etc. On doit le prendre comment, tout cela, Pascal? Écoute, alors on a la chance d'avoir un docteur en philosophie sur le plateau. J'entends, même dans ce que j'ai entendu ce soir, beaucoup de sophisme. Et l'essence du sophisme, c'est l'homme et la mesure de toute chose. Donc si je mesure quelque chose, c'est que c'est vrai, puisque je le mesure. Je crois que les choses sont un peu plus compliquées que ça. C'est pas parce qu'on pense avoir vécu quelque chose, parce qu'on a vécu un rêve un peu plus réaliste ou autre, qu'on peut dire « oui, c'est vrai, je l'ai vécu, donc ça existe ». Voilà, moi j'admets que j'ai entendu des grosses bêtises dans cette émission, enfin des choses que je trouve assez aberrante, d'asséner comme ça des vérités sans aucun début de preuve. Encore une fois, on a le droit de croire ce qu'on veut, mais de dire c'est la vérité, moi je pense qu'il y a quand même un filtre à se mettre à titre personnel. Quelle est la problématique quand on a des témoins, comme on a eu ce soir, qui disent être en contact avec cette confédération galactique pour toi, Pascal? La problématique, c'est que déjà, il y a une décrédibilisation du phénomène dans sa totalité, puisque il est tout à fait possible qu'un média prenne ça en disant « voilà, l'ufologie, c'est ça aujourd'hui, c'est cette personne qui dit ça, qui est en race, qui est hybride, qui est machin ». Voilà, je pense que l'ufologie doit faire un petit peu de... en tout cas, qu'elle se professionnalise, qu'elle se modernise,
Et très honnêtement, je clame depuis quelques mois, quelques années, d'une espèce de diplôme, d'une espèce de certification qui permettrait quand même de faire peut-être un petit peu la différence entre les gens qui ont un peu étudié, qui savent utiliser des outils, et puis les autres qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Encore une fois, je suis tout à fait attaché à la liberté d'expression, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand même, quoi. Mais non, je vois que tu condamnes plutôt les gens qui témoignent, mais... Tu condamnes aussi tous les éditeurs, parce que tu travailles avec pas mal d'éditeurs, je te vois, moi, recevoir certains éditeurs qui écrivent ou qui publient pas mal de choses qui sont très, très étonnantes. Alors, si on veut une ufologie totale, moderne, mais bien régie, on va plus beaucoup rêver, quand même. Je condamne personne, encore une fois. Tout le monde dit ce qu'il veut, c'est pas la question. Mais je pense qu'il faut mettre un petit peu dans ce qu'on dit, un petit peu de philosophie, un petit peu de recul. Il faut faire de la mesure. Enfin, voilà, encore une fois, chacun dit ce qu'il veut. Et puis, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Ça a été comme ça pour les religions, ça a créé des mouvements. Ce sera comme ça pour l'ufologie, encore beaucoup de temps. Je dis juste, faites attention à ce que vous dites, faites attention à la façon dont vous le dites, et mettez peut-être de temps en temps des « je pense avoir vécu ça ». Voilà, moi, c'est ça que je regrette un petit peu aujourd'hui en ufologie. C'est quoi ton ufologie rêvée, Pascal? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que tu parles presque d'un passeport pour étudier l'ufologie, pour pouvoir parler. Mais c'est quoi ton ufologie rêvée aujourd'hui? Bob, tu le sais, j'ai choisi ce titre quand j'ai fait des émissions chez toi. C'est l'ufolosophie, c'est-à-dire une ufologie qui va intégrer des notions de philosophie. Et encore une fois, Aimé Michel, qui est un des premiers ufologues français, avait une formation de philosophe. Et la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, je prône pour un petit peu de philosophie dans ce qu'on fait, un petit peu de recul aux choses. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas rêver. Je fais aussi ça pour la part de rêve, parce qu'on vit dans un monde qui est absolument pas rigolo. Mais attention quand même à ce qu'on assène comme des vérités impossibles à critiquer. Et ça, c'est compliqué pour moi aujourd'hui. J'ai passé, mon Pascal. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Désolé pour le petit problème technique, mais dans tous les cas, on vous retrouve bien sûr sur Maybe Planet. Vous avez des informations. Il travaille comme il a l'habitude de le faire. Et merci mille fois. On va dans un instant avoir le résultat du sondage, mais je voudrais juste revenir sur une émission qu'on a mis en ligne avec Pascal Lafargue, qui est une médium. Alors, vous savez que l'ufologie a fait appel de très nombreuses fois à des médiums. Et alors, Pascal a un lien particulier avec un compte. Avec un univers parallèle, avec des extraterrestres. Elle nous en parle rarement, elle est venue se confier. Regardez. Et là, d'un seul coup, dans l'obscurité, dans le noir, je sens qu'on me touche l'épaule droite. Et là, je me suis dit, allez, je me retourne pas, il y a personne, c'est des champs à perte de vue, je me retourne pas. Et on continue de parler. Une deuxième fois, je me dis, si ça continue, là, quand même, je vais quand même... Me retourner. Troisième fois, Bob. Et là, la troisième fois, je fais « Vous pouvez vous arrêter? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. » Je me retourne. Et là, Bob, à un mètre de moi, à 20 cm du sol, une forme ovoïde avec un beau cerclage bleu lumineux. Un voile dans le milieu du cercle ovoïde et des boules bleues lumineuses au milieu. Alors ça, c'est une artiste à ma demande qui a représenté ce que j'ai vu. D'accord. Alors imagine, dans la nuit, c'était fluorescent. Et cette forme-là gravitait à 20 cm du sol. En lévitation, quoi. En lévitation, à 20 cm du sol. Elle tournait sur elle-même et elle faisait flingue, flingue, flingue des angles droits. Voilà, un témoignage, celui de Pascal Lafargue. Et alors, ce qui est intéressant, vous verrez, il y a deux parties, hein, tellement c'était dense. Elle est retournée sur le lieu avec Egon Kragel, que vous connaissez, l'historien de l'ufologie. Et Egon a été témoin de quelque chose aussi. Alors, je n'ai pas eu Egon récemment, mais je vais lui demander parce qu'il valide ce qu'ils ont vu ensemble. Et Egon, vous savez, avant qu'il dise que c'est quelque chose d'extraordinaire, il vient d'abord sur des faits. Et c'est très intéressant. Donc les émissions sont à votre disposition, en tout cas la partie 1 sur btlv.fr. On va se quitter, mais il y a le résultat du sondage. Oui. Le sondage, la question était simple, hein, Confédération Galactique, y croyez-vous? Qu'est-ce que ça donne? Oui, 45%, non 15%, pourquoi pas
40%. D'accord. Bah, écoutez, mon cher Stéphane Royer, merci d'avoir été avec nous. Bah, je rappelle que vous écrivez dans Génération Cité d'Or qu'il y a un début de série sur l'ufologie et la Russie, hein, voilà, qu'on retrouvera. Merci Mathias, merci Sandrine, merci Thierry, merci à Hugo et à Mathis d'avoir réalisé cette émission. Puis, on parle d'extraterrestres, on parle de phénomènes, vous le savez, sur BTLV, la parole est libre. Si je ne vous écoutais pas, qui vous écouterait? C'est ça la vraie problématique. Voilà pourquoi on a la libre antenne et on se quitte avec ça. Vous avez vécu quelque chose d'étrange, de mystérieux. Je regarde et donc je donne les jumelles à mon ami qui l'a observé. Il me regarde et on s'est regardé et on a dit mais c'est pas possible, c'est un ptérodactyle. Depuis ce jour-là, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Deux engins, je dirais non conventionnels, qui étaient en forme de polygone de couleur marron, qui éclairaient, qui volaient à peu près à une cinquantaine de centimètres du sol. Vous n'avez jamais osé en parler autour de vous, de peur d'être jugé. Donc j'ai ouvert les yeux et dans l'encadrement de la porte de ma chambre, j'ai vu la silhouette d'une silhouette de petit garçon. Vous avez toujours eu peur d'être pris pour un fou. Je suis sorti sur ma terrasse et puis j'ai regardé aux jumelles. Alors, c'était les boules jaunes, quatre boules jaunes, pour des bulles qui étaient stationnaires. Et ensuite, qui ont commencé, ça bougeait. La libre antenne BTLV est là pour vous. Sans jugement, sans censure, en tout anonymat, témoignez de ce que vous avez vécu. Envoyez un mail à redaction@btlv.fr.